Ah, pop, pop. ah bah qu'est-ce qui se passe bah, Qu'est-ce qui se passe y a pas la... Ah bah merde Il <laughs> n'y euh, y a, a pas la caméra les amis. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe <laughs> Attendez, attendez, bougez pas. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez Bonjour, bonjour. Euh, pourquoi j'ai pas la caméra <laughs> oh, Merde pourquoi je pas la caméra Oh, ça y est, il y a la caméra. Oh, c'est le bordel. Bonjour, bonjour, c'est le bordel, c'est au poste. <laughs> Ami du café. Ami d'Emmanuel Macron. Non, je déconne. Euh, Ami du travail bien fait, de l'investigation long cours. Euh, bienvenue, bienvenue ici. Euh, il, est dans le, il est dans la salle d'attente euh, du, du, du comico. Euh, euh, monsieur Marqué Denvel, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Ah, ce matin, on a deux rendez-vous, je vais vous le dire tout de suite. Voilà. On est là pour ce travail. L'emprise. 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 C'est aux éditions de Le Seuil. Le Seuil édition. Là, ici. Voilà. Ah. Alors, vous mettez le son, les amis, mais vous êtes dingue. Euh, bon, alors, un, j'ai pas dormi. J'ai juste une toute petite tasse de café. Euh, euh, je n'ai pas dormi en partie parce que... Eh hey, le mec, hé, hey, hé, hey, il fait 500 pages. Voilà. Euh, voilà. Alors, euh, rapidos, puisque vous êtes déjà. Euh, ah, c'est déjà un amphi. Euh, c'est déjà, déjà un, un amphi, on est déjà 300. C'est dingue. Euh, donc, on est avec Marc jusqu'à à peu près 10h30. Ensuite, on fait une coupure, parce que là, il va falloir prendre des forces. Et on sera de retour vers 11h15. Car à 11h15, le syndicat Alliance, très défavorablement connu de nos services, reçoit euh, Valérie Pécresse, Gérald Darmanin. Éric Zemmour, Jean Ma euh Marine Le Pen, euh, pour un grand débat, un grand débat entre la droite, l'extrême droite et la police. Ce débat est retransmis euh, par les gens d'Alliance. Eh bien, donc, on reprend le site on va reprendre le signal et puis oh, je, je, je baisse un peu les je, je vais couper les sons euh, les, les, les sons les amis euh, les sons blurp pour le, le temps de, de l'entretien euh, donc voilà donc euh, vers 11 h 15 et ça va durer jusqu'à à peu près euh, 15 h euh, on sera avec euh, on sera au cœur de la euh, du syndicalisme policier puisque donc alliance reçoit euh, trois candidats quatre candidats, euh, tous de droite et d'extrême droite, sachant que certains euh, de gauche qui ont été conviés ont décliné et certains n'ont pas été conviés du tout, comme Mélenchon par exemple. Voilà. Mais là, on va parler d'autre chose. Là, on va parler. Je vais le faire venir. Je vais le faire venir. Je suis. Euh, je sais pas. Je sais pas. La scène duo. La scène duo, c'est celle-ci. Marc, es-tu prêt Marc, c'est le moment de, de se redresser, de, de se sentir à l'aise. Attention. Et voici. Marc Eddenfeld, l'auteur de L'Emprise. Comment ça va Alors, attends, 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 attends ai, je remets ton micro. Comment vas-tu, Marc Ça va très bien. Ça va très bien. Bon. Et toi, et toi ben, Ça ne va pas du tout. Pour la première fois dans l'histoire d'Opost, je le reçois trois minutes avant l'émission un texto d'une éditrice, hein, éditrice qui me dit Sois gentil avec, avec Marc, c'est un grand timide. Cette éditrice que je salue et que j'embrasse. Euh, que tu connais Hélas, hélas. Très <laughs> défavorablement connue de nos services, elle aussi. Euh, on a fait deux, trois bricoles ensemble, notamment Tarnac. Je parle de Mireille Paulini. Euh, et je lui ai dit Viens dans le chat, elle me répond Je n'ai pas Twitter. Bon, euh, <laughs> ça, ça explique. Je lui ai dit Non, c'est Twitch. Euh, voilà, nous avons euh, une éditrice euh, en commun et, 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 et d'autres choses. Mais justement, euh, par rapport à, à ta timidité. Euh, si tu es un grand timide, euh, comme, où est-ce que tu puisses la force de, de t'attaquer à de si gros poissons, euh, Emmanuel, Emmanuel Macron et, et ses amis euh, bon, Je suis juste, euh, j'ai vu quelqu'un il y a quelques jours qui est une qui une, une consœur qui m'a dit tu, tu es obstiné. Bah voilà, je suis un garçon euh, obstiné. Quand j'ai commencé un travail, je... J'ai plutôt tendance à le, à le terminer. C'est vrai que concernant Emmanuel Macron particulièrement, une, ça commence à être une vieille aventure parce que j'ai commencé à enquêter sur lui dès 2014. Euh, j'ai fait le premier livre sur Macron quand il était seulement ministre de l'économie en, en 2015, où j'avais déjà fait toute une enquête à charge et à décharge où. Euh, avec un, avec, avec un magnifique titre, L'Ambigu, monsieur Macron. L'Ambigu, monsieur Macron, dans lequel j'avais par exemple raconté l'épisode que maintenant beaucoup de gens connaissent euh, de sa duplicité lors du rachat du Monde entre la Société des rédacteurs du Monde et les acheteurs potentiels du Monde en 2010, à deux ans de la présidentielle, euh, où il y avait déjà le choc entre Nicolas Sarkozy et, et François Hollande. Euh, et puis. Après l'élection, enfin pendant l'élection, moi j'avais couvert la campagne présidentielle, là plutôt en journalisme politique, quand je travaillais à Marianne, euh, j'avais à la fois couvert la campagne de Macron et la campagne de Mélenchon, donc j'avais les deux regards à l'époque. Et puis euh, après l'élection, j'ai entamé le, le deuxième livre qui était moins sur Macron que plus sur les réseaux de pouvoir qu'il a activés, et sur lesquels il s'est appuyé pour euh, conquérir le pouvoir en 2017 où je parle notamment derrière, en partie, des réseaux de financement euh, de Macron, ce qui m'a valu eu, euh, quelques, euh, quelques pressions, on va dire. Et puis, euh, dans ce nouveau livre, euh, Nouvelle Enquête, qui est effectivement assez imposante, je te l'accorde, euh, je m'attaque à la fois au bilan international de Macron, à la place de la France euh, dans le monde. Donc, je ne parle pas que d'Emmanuel Macron dans le livre, parce que je reviens dans le passé, je parle de Sarkozy, je parle d'Hollande. Je parle de différents sujets stratégiques, le nucléaire, euh, euh, je parle de, 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 bah, on en parlera de l'espionnage, de la guerre économique, euh, également de la situation au Moyen-Orient. Euh, voilà, J'aborde plusieurs sujets, euh, c'est vaste. Euh, J'ai commencé le projet avant le confinement, donc peut-être ceci explique cela au niveau de l'épaisseur, euh, même si le confinement m'a empêché pendant un certain temps d'enquêter. Euh, parce que moi, quand j'enquête, bah, je rencontre des sources euh, humaines, principalement, même si je travaille aussi avec des sources ouvertes. Et donc, pour cela, et bah, il faut rencontrer les gens d'une manière euh, discrète, ou euh, en tout cas en face à face, dans des cafés au moins, ou euh, chez eux. Et ça, pendant l'épidémie, pendant c'était très, très, très compliqué. Euh, amis du chat euh, bonjour à tous euh, on nous dit super super invité euh, funny nous dit euh, hello super invité c'est vrai c'est un super invité c'est la deuxième fois qu'on se voit avec Marc, la ouais. première fois c'était un déjeuner j'ai pas j'ai pas pu placer mais <laughs> deux phrases et là ah, tu vois, est... je suis pas, je suis et, pas et, timide <laughs> et, et là c'est ton éditrice qui te dit et, et là ça recommence <laughs> alors alors on va faire plus court. Tout va très bien, mais tu vois, ce qui me fait marrer, c'est que moi, j'avais prévu... Normalement, je fais un petit portrait, tu vois. Alors, j'explique. Il euh, bon, y, y a un petit bruit de machine à écrire que toi, pas, tu n'entends pas, comme si on était dans un, dans un commissariat. Et donc, euh, normalement, j'aurais dû dire, Marc Denvel, vous êtes né le 11 juin 1981 à Amiens. Ouais, Amiens. Et là, je t'aurais posé une question. Ouais. Et donc, <laughs> c'est quoi ta question C'est quoi cette guerre damiens ah, tu veux dire... Entre Macron et toi. Parce que quand même, si jeune, si fringant comme tu es, déjà trois ouvrages sur Macron, est-ce que c'est une obsession picarde Est-ce que c'est -ce est, est -ce est, est -ce est la, la Terre qui parle ou, ou pas non, alors déjà, je ne suis pas vraiment Picard, je suis Picard d'adoption, je suis resté 4 ans à Amiens, donc euh, j'étais vraiment très gamin. Euh, tu, poses, tu poses, je ne sais pas si ça va te faire euh, plaisir, mais tu poses exactement la même question euh, posée deux fois par la même personne dans deux émissions différentes par Maïténa Biraben. Euh, donc non, il n'y a pas de guerre d'amiénois avec euh, Emmanuel Macron ni même François Ruffin. Euh, C'est le pur hasard, même si j'ai quelques contacts très 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 éloignés et euh, familiaux. Euh, mais on est même dans la famille, on n'est même pas Picard pour te dire. Voilà. Alors, je ne je, je, je comprends rien à ta carrière. Ensuite, on va attaquer le, le, le bouquin. Tu euh, pas le seul, t'inquiète pas. Euh, donc, <laughs> euh, tu es au monde diplomatique depuis 2005. Tu as été longtemps à Tétu. Euh, tu es Tétu, tu es puisqu'en en septembre 2018, sur Twitter, tu annonces que tu ne resteras pas à, à Marianne. Alors moi, j'avais. il me semble que c'était suite à l'arrivée de Natacha Polony, mais je me trompe peut-être euh, dans la mesure... Oui, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, mais euh, c'est cette raison ou pas il y a plusieurs raisons. Déjà, j'en avais un peu marre du journal, il faut dire. Euh, Je n'étais pas forcément totalement raccord avec la ligne éditoriale, même, en arrivant, même avec l'arrivée de Natacha Polony. Mais la principale raison qui a déjà été un petit peu dévoilée ici ou là, c'est que euh, le nouvel actionnaire, M. Kradinsky, euh, ainsi que ses euh, collaborateurs qui arrivaient dans l'ombre, entre guillemets, notamment un certain Étienne Berthier, qui est le responsable des activités de Kritinsky en France, euh, bah, je le retrouvais tout simplement dans mes enquêtes et notamment dans le précédent ouvrage que j'ai fait, Le Grand Manipulateur, parce que je me suis aperçu à la fois qu'Étienne Berthier était un, un proche euh, de différents euh, individus, qu'il avait, euh, qu'il avait, qu'il s'était retrouvé à la case des dépôts il y a une vingtaine d'années, qu'il avait croisé sur sa route Alexandre Jory, qu'aujourd'hui il est très proche. Euh, bah de, du mentor d'Ismaël Émélien, le conseiller politique d'Emmanuel Macron. Bref, il y avait tout un. Qui, qui est, écosystème. Alors là, qui sont des, des noms que tu, que tu jettes en pâture. D'ailleurs, ouais, ouais. tu sais qu'ici, le chat est quand même particulièrement vigilant. J'ai Émile Cheval, Cheval qui dit Le prévenu est bavard, c'est l'ouche. <laughs> <laughs> oui, euh, généralement, il faut tirer les verres du nez. Et en fait, il faut vraiment se méfier parce que lui, il est. Son, 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 son enquête est fouillée, euh, c'est précis, ça rentre dans les détails, mais moi je, je vais quand même parler de ta personnalité euh, par, rapport, euh, par, par, par rapport à l'enquête. Non je te dis ça parce qu'il se trouve que euh, le livre est sorti quand le livre est sorti quand Récemment Il bah, euh, y a une semaine oui, et demie. Il y a une, une semaine oui. et demie. Et, euh, et bien, euh, tu as eu un coup de pub incroyable il y a quelques jours par Natacha Polony. Voilà. Bah oui, elle est, elle est pas rancunière. Elle, je suis parti du journal quand elle est arrivée. Donc, c'est aussi simple que ça. Tu vois. Euh... Donc, elle a, elle a sur France Inter euh, dit le plus grand bien de, de, de ton travail, euh, qui est donc ce, ce livre, euh, L'Emprise. Euh, je te, je te vous... signale au passage que pour l'instant, c'est la seule qui m'a parlé à part toi. Et donc, euh, la, 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 les premiers jours ont été compliqués. Pourquoi bah, Je ne sais pas. Euh, manifestement, euh, l'ouvrage est, est gros, comme tu dis. Donc, euh, déjà, les journalistes euh, sont pressés. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est normal, ils ont des contraintes de production, ils lisent peu. Et, et par ailleurs, les sujets sont ardus, euh, même si j'essaie d'être le plus pédago possible. Voilà, et donc il euh, y a ça, le, le bouquin fourmi d'informations, mais pour l'instant, euh, tu remarqueras que pour l'instant, la, 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 la seule qui en, en a parlé, enfin qui a ouvert le bal, parce que d'autres euh, événements vont arriver, mais la seule qui a ouvert le bal, c'est Natacha Pauline, effectivement. Ce qui est assez ironique pour moi, parce que euh, j'ai, euh, d'une certaine manière, quitté euh, Marianne à l'été, fin été 2018, au moment où elle, elle, elle arrivait à la, à la tête de la rédaction. Alors, tu vois, c'est curieux parce que dans le, dans le chat, on, on réagit tout de suite en disant mais voilà, euh, euh, les médias dominants n'en parlent pas. On peut aussi dire qu'une semaine et demie, je, je comprends pour un auteur, hein, je sais ce que c'est <laughs> qui attend, hein, euh, mais on peut dire aussi que voilà, c'est… Non, non, il sans... n'y a, a, a pas de complot, il euh, n'y a pas de complot, après, je te mets Juste un bémol, il y a des gens qui ont eu le bouquin bien avant. Hein, si tu... <laughs> si Et tu... voilà, voilà, voilà. Alors, le et, bah, ça c'est une, une autre histoire. Le, le, le bouquin euh, nous plonge dans la, dans la guerre, dans la guerre, dans la guerre économique. Je vais me permettre, si, si tu veux bien, comme ça, si tu as envie de boire un petit café, tu peux en profiter. J euh, pas je Pas de café ici, je suis pas chez moi en fait. Que... <laughs> mais, 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 et, et à le seuil, ils peuvent pas te fournir un café Je suis pas au seuil, je suis ailleurs, mais c'est pas grave. On oh. regardera le mystère. On regardera on regardera le mystère. Bon, alors. Euh, le seuil, la prochaine fois, euh, apportez une thermos à, quand même à vos auteurs. Merde. Alors, euh, c est, c est, euh, alors euh, la guerre économique mondiale en cours est sans foi ni loi. Donc, le, le, le livre, c'est quand même là-dessus. Hein. C'est sur la guerre économique. Ouais. C'est le, le projet de départ. Hein, de et, façon. Et, et la guerre euh, di diplomatique. Donc, là, comme je sens. Tu vois, à la lecture que je vais euh, beaucoup euh, noter, euh, je fais ce que je fais jamais d'habitude, je note ligne par ligne, tu vois, mais là j'ai fait ouf, le paragraphe, celui-là, etc. Bon bref. Alors euh... Euh, la guerre économique mondiale en cours est sans foi ni loi. Elle mobilise banques d'affaires, services secrets, avocats internationaux et divers barbouzes. Dans ce monde néolibéral, la France n'a pas d'alliés, seulement des concurrents. Cette guerre se déroule sur tous les fronts industrie, transport, numérique, espace. On s'offusque de la rupture des contrats des sous-marins par l'Australie, mais cela fait longtemps que nos alliés, entre guillemets, américains, ont déterré la hache de guerre. Ces dernières années, la France est pourtant apparue inerte face à la multiplication d'actes hostiles, venus notamment de la secrète NSA. Le service d'espionnage électronique le plus puissant du monde, une compétition stratégique s'est mise en place au niveau tant industriel que géopolitique et diplomatique. C'est ce qu'on appelle au Québec mettre le couvert. Grosso modo, le livre va parler de ça. Ouais. Euh, si tu devais le résumer euh, autrement qu'en quatrième de couverture, quels seraient là les enjeux et moi, euh, je te l'ai dit, j'ai plongé notamment dans un chapitre, évidemment, parce qu'on est au poste, qui est la guerre de l'ombre. Donc avec toi, on va parler des écoutes, on va parler des rapports que Macron entretient avec les services de renseignement, du, du scandale Pegasus, et si on a le temps, de notre ami Vincent Bolloré. Euh, mais euh, le, le bouquin est plus large que ça, donc je te laisse quand même euh, développer un tout petit peu de quoi il, il s'agit. De, de quelle emprise parles-tu Alors... Et en fait, il y en a plusieurs dans pays, entre guillemets, mais la, la, la le principal acte du livre et de, du projet de livre au départ, c'est euh, comment la France va se retrouver piégée à, son, à sa petite échelle, à son petit niveau aujourd'hui, entre le choc des deux grandes superpuissances qui sont les États-Unis et la Chine. Euh, quand je commence le projet en 2019, j'ai, ça c'est ce que je raconte au tout début du, du livre d'ailleurs, j'ai des premiers échos que les, les tensions interna internationales vont s'accentuer entre les États-Unis et la Chine, notamment, principalement pour des raisons de guerre économique. Ça, on pourra en reparler, mais notamment sur la question de la maîtrise, de la maîtrise des métaux rares. Euh, ça, il y a un journaliste qui avait fait un livre, La guerre oui. des métaux rares, Guillaume Pitron, passionnant. Effectivement, il là l'une des raisons euh, sous-jacentes de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire la maîtrise des métaux rares essentielle dans la, la nouvelle technologie, enfin dans les nouvelles technologies, comme on les appelle encore aujourd'hui, les iPhones, tout ça. Et euh, par ailleurs, il y a d'autres enjeux stratégiques, il y a, a d'autres enjeux, enjeux économiques, euh, par exemple les, ré les réserves d'or mondiales, le fait que la Chine. Euh, dispose de, énormément de bons du Trésor américain, bref, il y a toute cette interdépendance entre la Chine et les États-Unis et manque de peau la France et notamment les décideurs français ces dernières années, ils étaient, euh, on va dire, complètement empreints d'idéologie euh, de la globalisation, où il fallait tout externaliser, notamment les industries, parce que les industries, okay. c'était sale, c'était caca, c'était euh, des ouvriers, ou oh là là, c'est dangereux, euh, ça peut faire des grèves. Et donc, euh, en gros, euh, le, le point de départ du livre, c'est à la fois les influences étrangères et la guerre économique offensive euh, des, 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 des États des superpuissances, on va dire, contre la France, y compris de nos alliés. Donc, il y a toute une partie sur les États-Unis dans le livre. Ce qui est on va en reparler, mais ce qui est généralement peu, peu développé finalement, on parle en ce moment, et notamment ces derniers mois, on parle beaucoup des Russes et on parle beaucoup de la Chine, qui apparaissent de manière dans le livre, mais il y a aussi les États-Unis. Parce qu'en parce qu en fait, ce que ton livre essaie de démontrer et démontre, ouais. hein, c'est qu'en en fait, on est dans une guerre froide qui ne dit pas son nom. Oui, alors c'est une guerre froide, j'emprunte la, la terminologie par rapport à, à, la, à la fameuse guerre froide, c'est une guerre froide différente parce qu'il n'y a pas en réalité intrinsèquement, même si certains veulent nous le faire croire, il n'y a pas un choc idéologique comme ça a pu exister. Entre les États-Unis et l'Union soviétique, il n'y a pas deux systèmes réellement qui s'affrontent, même si on peut commenter le système chinois, mais en réalité, justement, sur les, sur les technologies, sur le contrôle des populations, sur le traçage des populations, en réalité, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de convergence, malheureusement, entre un certain modèle de, de société de contrôle, de capitalisme du contrôle, du côté que ce soit de la Californie, d'Israël ou de la Chine ou d'autres États. Euh, la reconnaissance faciale, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc là, on a un mouvement international euh, qui est inquiétant si on est démocrate, euh, parce que euh, c'est un mouvement où finalement euh, la vraie sécession ou la vra le vrai séparatisme, de mon point de vue, de ça, il y a d'autres auteurs qui l'ont expliqué en long en large en travers, mais d'une certaine manière, l'enquête. Euh, euh, va dire méticuleusement, va pointer ça également. Il y a une sorte de séparatisme des plus hautes élites. Hein. Là, on parle vraiment des, des très, très grands patrons et puis également de, de très, très euh, hauts politiques, hauts fonctionnaires qui finalement euh, vont regarder de plus en plus en défiance leur peuple respectif, y compris euh, dans un cadre démocratique. Euh, ce qui explique d'ailleurs, et ça je l'avais annoncé. Et, à à, 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 là, à, ouais. là pour, pour être bien clair, tu parles des, des, des alliés de la France ou de la France elle-même je parle de, des, des, des ronds de fonctionnaires français je, Non, là, je parle de, là, pour le coup, je parle de la France elle-même, c'est-à-dire comment, les, 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 comment la compétition internationale devient, devient de plus en plus accrue, comment nos, nos, nos responsables politiques, économiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, euh, sont finalement relativement dépassés même par la situation. On a pu le voir d'ailleurs avec la pandémie, hein, si tu veux, il y a eu un choc de sidération quand, euh, quand les, les, les responsables français se sont aperçus qu'ils n'avaient même pas à produire, enfin, qu'ils ne pouvaient même pas produire et fournir, surtout aux Français, des masques au -delà, sans parler des, va -des vaccins. Oui. Donc, par exemple, euh, ça, je n'en parle pas dans le livre, mais je vais en parler dans, une, dans un prochain papier du Monde Diplomatique. Le, le dernier ouvrage de. Oh là là, oh là tu as fait un ouais. placement de produit. Alors, excuse-moi. Euh, ah, excuse le, le, ah. de, euh, le dernier ouvrage de. de, 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 de yeux. De L'économie et, et, euh, du temps de De Gaulle, et dans le bouquin, chose très surprenante, euh, il glorifie la planification écologique, qui est quand même un terme que, euh, le premier avait, euh, que Mélenchon avait été le premier à utiliser dans la campagne de, de 2017. À euh, M -m Mélenchon, à propos duquel tu as, tu as, tu as, tu as commis un ouvrage euh, oui, j'ai euh, interrogé le euh, sieur Mélenchon et, euh, il y a, euh, je ne sais plus, il y a six ans, cinq ans, je ne sais plus, oui, ouais, euh, c'était un, un, un bouquin d'entretien que j'ai fait avec lui il y a cinq ans, ouais, C'est ça, c'est ça. Et non, donc, non, mais et... c'est pour te dire que les fiches sont à jour ici. Ah, bah, je vois, ah, bah. <rire> <rire> je, je vois, je vois ça. C'est un travail méticuleux. Bien sûr. Mais. mais euh, bah, si mais... tu veux, quand, quand on lit un ouvrage comme ça, on, on est quand même. À, 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 à... Obligé un minimum de bien travailler, quoi. Oui, tout aspect, non, non, tout non, parce tout que c'est de la belle ouvrage, hein. il, faut, ouais, il, 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 il faut le dire. Alors, après les emprises, il y en a plusieurs, parce que, euh, en gros, c'est la France perdue et piégée entre la Chine et les États-Unis, et puis après, il y a tous les acteurs secondaires de cette lutte-là c'est-à-dire euh, bah, les, les fameuses guerres de procuration euh, par proxy, comme on dit euh, dans, les, dans les pays anglo-américains. Et donc, euh, c'est la Turquie, c'est euh, Israël, c'est l'Algérie, c'est euh, différents acteurs secondaires qui apparaissent dans le livre, et puis également des acteurs, bien évidemment, économiques, dont certains sont totalement euh, encore aujourd'hui insoupçonnés. Euh, par exemple, le, le, dans l'enquête, euh, je fais tout un zoom sur le, le groupe MSC, qui est donc maintenant devenu premier armateur. Mondial, donc armateur mondial, c'est les transports de, de marchandises euh, par bateau, avec notamment les portes-containers. Alors, ça, ça tu, tu insistes euh, à, à de nombreuses reprises sur l'importance ouais. euh, des, euh, des flux, hein, de, du, ouais. du, du transport et du transport maritime. C'est bah oui. un enjeu colossal. C'est un enjeu colossal. Bah, comme en, environ 30% de la production, je vais employer des chiffres, mais environ 30% de, de la production industrielle manufacturière, elle est aujourd'hui en Chine. Donc, il faut bien la ramener, si tu veux, sur les marchés européen Et pour ça, bah, les portes-containers, les chaînes logistiques, comme on, comme on les appelle techniquement, sont, sont cruciales et c'est un enjeu géopolitique majeur. D'ailleurs, la question des ports, de la maîtrise des ports également dans, ce, dans cette situation-là. Et euh, quand, euh, là pour le coup, nos confrères de, de Mediapart, au début du quinquennat, un peu seuls, ont pointé le conflit d'intérêts entre Alexis Collère, donc, qui est le, le second personnage de l'État, le plus puissant de l'État, qui n'est pas élu, qui est le secrétaire général de l'Élysée, principal collaborateur d'Emmanuel Macron, quand Mediapart a pointé le lien familial entre Alexis Colère et la famille Aponté, propriétaire du groupe MSC. Donc MSC, pour le grand public, c'est MSC Croisière, mais c'est surtout et avant tout des porte-containers qui sillonnent le monde. Et en fait, moi, je vais plus loin, euh, c'est-à-dire que j'ai enquêté sur quel était vraiment ce groupe qui était cette famille? et euh, là, pour le coup, c'est assez passionnant, parce que tu t'aperçois que derrière la, la vente des activités logistiques de bolloré, là je te fais un, un petit teasing avant la discussion, euh, eh bien euh, bolloré qui a fait, se fait racheter ses activités logistiques afrique par msc, ça dit beaucoup de choses sur les décisions qui ont été prises à l'élysée euh, ces derniers mois et aussi ça éclaire sous un jour nouveau la guerre qui a pu y avoir euh, et qui a été dépeinte dans de nombreux médias, la guerre qui a pu y avoir entre Bolloré et l'Elysée. Voilà. Cher euh, Marc, euh, veuve Chicot euh, qui est une abonnée de la première heure qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps au pas Je suis très heureux qu'elle soit là à nouveau et, 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 et qu'elle soit là avec toi. Euh, te demande à quel point la France a perdu son pouvoir d'influence, si elle en a eu vraiment un, dans cette guerre froide économique. Quel serait le rapport de force qu'elle pourrait utiliser pour ne pas être ballotée entre les États-Unis et la Chine Quel poids à l'Europe alors, et t'emballe pas, tu nous fais pas une demande. Non, moi fais pas un cours. Ok, ok, j'ai compris, j'ai raison de toute façon. Normalement, je passe à BFM demain soir. Alors, je peux te dire. Ici, ici, c'est le trading, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ce que m'a dit mon copain, mon tueur Enfin, mais c'est un peu, c'est plus libre ici, donc fais gaffe. Parce que demain, tu vas croire que ouais, t'as la maison. ouais, c'est ça. Et là, non. c'est une vaste question, c'est la place. De ce, de, de ce petit pays France et de, de cette Europe. Euh, le, je le dis déjà euh, immédiatement, c'est pas c'est pas un livre nostalgique. Non, pas, pas, du un, tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas un livre euh, comment dire euh, passéiste et décliniste. C'est pas non plus un livre. Euh, tous pourris et par ailleurs, je le dis dès le début de l'introduction, justement à force d'avoir parlé de, de, durant des, des litanies, des, des années de, de, de guerre contre le terrorisme, je ne dis pas qu'il fallait pas parler de, de terrorisme. mais enfin on, a, tu le sais très bien, on a envahi le débat, de certaines problématiques, notamment identitaires. Ces derniers mois et années, c'est carrément l'islam et l'immigration. On ne parle que de ça dans les grands médias, là, pour le coup, principalement. Et en fait, à force de parler de ces, de ces sujets-là, on ne parle pas des vrais sujets. Donc, on ne parle pas du sujet du climat. Les portes-containers en font fait partie, par exemple, le climat, le nucléaire, l'énergie, mais on ne parle pas non plus de tous les sujets stratégiques. Mais, et mais ce, ce, ouais. cela dit, Marc, alors après, il faudra répondre à la, à la oui, question, à question de, de, ouais. de, 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 de Valchico, mais cela dit, Marc, c'est vrai que euh, je te connais un petit peu et euh, je, au début, euh, quand j'ai reçu le bouquin, je me suis dit tiens c'est marrant de s'intéresser à un homme si jeune, si fringant, de s'intéresser à l'influence de la France. Alors, pour moi, il y avait un côté un peu euh, non pas passéiste, mais euh, euh, ni, enfin pas nostalgique du tout, mais quelque chose de l'ordre de, 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 de l'héritage de, de quelque chose d'ancien euh, bon et d'une certaine manière je trouve que la, la couverture bah, que je vais remontrer ici euh, euh, qui est elle pour le coup très contemporaine et, et très moderne euh, je trouve qu'elle elle, elle euh, traduit bien euh, ta façon de travailler c'est à dire qu'on n'est pas du tout dans euh, c'était mieux avant euh, c'était mieux avant la, la france afrique c'est pas ça du tout du tout mais est-ce que tu peux comprendre et après, on répond à Veuve Chico, est-ce que tu peux comprendre euh, que euh, ça puisse apparaître comme un sujet euh, qui finalement ne nous appartient pas La question de l'influence de la France. Tu, 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 euh, tu poses une question centrale, c'est-à-dire que... Euh, bah, force... Ici, c'est le commissariat central. Donc, ah, on... Oui, non, mais euh, à, à force d'avoir euh, mis ces questions stratégiques de côté, ouais. euh, euh, le le, alors je vais parler comme les gilets jaunes mais le peuple français, on va dire, la population les citoyens, les gens qui votent tout simplement, hein, donc c'est la démocratie hein, au sens strict du terme, euh, se sont laissés, de mon point de vue, dépossédés de ces questions stratégiques, c'est-à-dire que elles ne sont plus débattues réellement dans l'espace public et l'arène publique, c'est-à-dire c'est un débat d'experts, parfois les experts interviennent sur les plateaux télé, des fois parce, parfois d'ailleurs ces experts ne sont pas très bien informés, y compris de la situation internationale, j'ai d'ailleurs pu m'en apercevoir au cours de l'enquête aussi, euh, que euh, en réalité, les informations les plus stratégiques sont de plus en plus euh, réservées à une petite élite à travers des lettres confidentielles. Donc, ça dit beaucoup aussi de l'évolution des médias et du journalisme du pays. C'est-à-dire, euh, euh, bah voilà, euh, on, on réserve le buzz pour le grand public ou la masse ou euh, la, la, les Français lambda, comme on dit, et puis euh, les vraies questions entre guillemets, enfin, en tout cas, celles qui m'apparaissent les plus importantes, parce que pour répondre à, tes, à ta question et à la question de l'internaute, c'est deux choses. C'est que, euh, en fait, euh, oui, un, on, le, le, on est de plus en plus dépossédé de ces questions-là. Et donc, ça pose des questions de démocratie, mais également, par exemple, si on veut changer la question énergétique par rapport au climat, euh, si on veut euh, que euh, l'État social soit plus efficace. Euh, Aujourd'hui, il est nécessaire d'intégrer ces enjeux stratégiques et économiques à haut niveau parce que c'est un monde d'intérêt euh, et, et je dois dire que dans ce monde d'intérêt, euh, il y a là pour le coup une partie, euh, y compris euh, des militants associatifs, euh, des euh, responsables politiques de gauche, des partis politiques de gauche, qui, euh, bah, à force de bah, finalement y, de ne pas avoir de capteurs médiatiques, mais de capteurs, même y compris dans, la, dans les structures, c'est-à-dire de ne pas être forcément présent dans les structures de pouvoir, ont perdu euh, une analyse euh, fine et stratégique de ces questions-là. Et finalement, ça a des conséquences, de mon point de vue, assez perverses, y compris du point de vue d'un combat politique d'émancipation et de transformation. Bon, là, je parle Enfin, je parle du point de vue de alors, gauche ça, je suis. Ça, 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 et ça répondre, a BFM, à BFM, demain. Oh, et non, enfin, ça, je, je, clair. Et d'ailleurs, je... d'ailleurs pour te répondre, j'ai un copain journaliste. Ou alors tu qui... commences par ça et tu ne fais que ça. Mais voilà. Je... Donc j'ai un copain journaliste qui me disait, bah dis donc, euh, c'est quand même c'est sympa, il y a, a Polony qui parle de ton bouquin, mais euh, ouais, c'est Polony quoi. Enfin bon, euh, voilà. Et euh, et euh, et donc euh, la, 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 la réponse du copain journaliste, ça a été euh, finalement tu tu traites d'un sujet de droite euh, à, 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 à travers un travail de gauche. C'est ça. Voilà, j'ai trouvé cette euh, définition très juste de mon travail. Voilà, C'est un sujet qui est devenu au fil des années, un sujet totalement euh, et réservé, on va dire, là j'ai dit une petite élite, mais aussi réservé à des euh, considérations de, de droite. Euh, et euh, ben bah non, en fait, euh, ça concerne tout le monde. Euh, ça concerne euh, très bien, ça euh, enfin, aussi bien l'infirmière dans son hôpital que euh, que, que le patron d'industrie. Ça concerne en réalité euh, tout le monde. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la pandémie. Pour répondre à la, à la question, la première que tu m'as posée hein, euh, sur la place de la France, oui, euh, en fait, on s'aperçoit quand même à travers l'enquête, et je m'aperçois à travers l'enquête que ça fait en gros 30 ans que tous les responsables politiques d'ailleurs jouent sur la nostalgie d'ailleurs sur la grandeur de la France tout le monde parle de de Gaulle euh, d'ailleurs, euh, de, de la, de la, même quasiment de l'extrême droite, quasiment jusqu'à l'extrême gauche, hein, euh, parfois. Enfin, J'ai pas entendu Poutou parler de De Gaulle, mais enfin, euh, c est, c est, parfois, c'est ses limites quand il parle d'État social. Hein, L'État social, c'est Conseil national de résistance après 45, 1945. 1945. Euh, donc, c'est effectivement tout cet héritage-là aussi. Et euh, de ce point de vue-là, euh, donc tout le monde... Est nostalgique, il y a qu'à voir les clips de campagne, euh, clip de Macron France 2030, le clip de Zemmour. On met des super images de TGV, d'Ariane de, et compagnie et compagnie. Personne ne propose des véritables solutions. Et moi, je n'ai pas euh, une ambition à ce que la France soit un immense pays. Ce n'est pas, pas la question. C'est juste la question de son autonomie à elle. Euh, relative, qui restera relative, puisqu'on est dans un monde interdépendant aujourd'hui, mais l'autonomie de la France, c'est importante, tout simplement, par exemple, pour pas être embr un, embrigadé dans des guerres qui nous dépassent et qui concernent d'autres puissances, pour simplement pas être tout, simple, pour être tout simplement libre. C'est la question de la liberté également qui est posée euh, à travers cette question-là de l'autonomie et, et de la puissance. Et c'est vrai qu'à gauche, la question de la puissance, c'est un gros mot, hein. euh, ça, il faut pas se le cacher. Euh, tu parlais de la, la France-Afrique, un constat. Euh, je, je, je participais il y a deux, trois semaines à... Dans le livre et dans le précédent livre, je parlais des réseaux affairistes algériens et de leur proximité avec Emmanuel Macron. Bon, par exemple, si tu veux, les, les, les responsables politiques français, quels qu'ils soient, ont, ont tellement fait d'erreurs, ils ont tellement parié depuis 30-40 ans, finalement, sur les plus affairistes dans tous ces pays-là, que l'influence de la France se réduit à portions congrues. Alors, on peut s'en féliciter d'une certaine manière, parce que c'est un système qui est en train de s'écrouler. Mais dans, euh, dans le même temps, euh, il n'y a, a pas forcément d'alternatives qui sont mises en place, y compris positives, là encore une fois, d'un sens euh, émancipateur, voire même, si j'emploie les grands mots, internationaliste. Donc euh, euh, il ne faut, faut pas être naïf de mon point de vue. Euh, le, le, le jeu des grandes puissances que je décris dans le livre, euh, là, les médias français glosent ces dernières semaines sur la présence des Russes euh, au Mali. Euh, en gros, ce jeu des grandes puissances-là, il sera avec nous ou sans nous. Quoi, en gros, pour les... euh, Jacques Rosselin, qui est dans le, le chat, nous dit, c'est plus un bouquin sur la surpuissance américaine que sur la puissance française. Oui, euh, c est, c est, Jacques a, 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 aussi, a aussi raison. La, de la surpuissance américaine... Aujourd'hui, contesté à l'échelle internationale d'un point de vue économique par la Chine ou par d'autres grands pays. On, je parle assez peu de l'Inde, mais on pourrait parler de l'Inde et des Indiens également. Et on peut parler bien évidemment de l'Europe et de la Russie. Et dans ce jeu qui est plus, euh, qui, est un, de, qui est réellement multipolaire pour prendre des termes diplomatico-géopolitiques, euh, les Américains se sentent menacés. Euh, ils sont menacés dans leur chaîne logistique, dans leur chaîne de valeur, euh, dans leurs intérêts stratégiques. Et ça, ça amène rien de bon à l'échelle internationale parce que ça peut euh, aller vers des. Vers, alors là, je vais, employer, je vais faire peur à tout le monde, mais ça peut aller vers des guerres qui ne sont plus froides mais chaudes. Et il y a un truc, ça, je conclue le bouquin d'ailleurs avec ça il y a un truc que les gens n'ont euh, pas euh, encore cerné. Quand je dis les gens, là, pour le coup, y compris les journalistes, les intellectuels, machin et compagnie, en France, dans le débat, Notamment, on le voit. C'est pas des ouais. gens les journalistes. Oui, c'est vrai. C'est autre chose. tu as, as raison. C'est un truc à part. Oui, c'est un truc à part, oui, vrai. Euh, Mais euh, le, 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 le le constat que je fais en fin du livre, c'est que euh, il faut se rendre compte que l'Europe est devenue la périphérie du monde. La guerre froide, elle a lieu la la guerre froide là, pour le coup. C'est la Chine. Militaire, elle ouais. se joue en Asie. Oui. Or, il faut vous rappeler que pendant la guerre froide, là où il y avait des conflits chauds, des affrontements militaires, on les appelait justement les affrontements périphériques, et que donc ils étaient sur le pourtour, ils étaient en Afrique, ils étaient en Asie, ils étaient aussi en Amérique du Sud si on pense aux coups d'État euh, américains. Euh, et mais euh, mais aujourd'hui, euh, c'est sur les marges de l'Europe, ça peut être même, moi je pense que ça peut même être euh, potentiellement en Europe même sur, ça, sur certains plans. Et puis par ailleurs. La guerre internationale, entre guillemets, économique est liée aussi à des actions de plus en plus offensives, on va en parler, une militarisation de, 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 du numérique, de l'espace, une militarisation de l'espace et du numérique, je parle assez peu de l'espace dans le livre, il fallait bien que je fasse des choix, mais euh, cette militarisation, y compris de la police aussi, tous ces éléments-là euh, amènent plus davantage à une société de violence mais, euh, et de violence étatique. Euh, que euh, une société de la concorde euh, et euh, on va dire de la prospérité si je parle comme je sais pas qui mais enfin voilà. Alors euh, tu diras à ton, à, à ton copain journaliste que j'ai changé le titre en direct hein, donc le maintenant le titre de l'émission c'est la France sous influence de un sujet de droite traité avec une vision de gauche. Voilà. Tout à fait. Euh, euh, <laughs> euh, voilà. Et donc là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit, ah ouais, d'un point de vue marketing, la cible, c'est compliqué. <laughs> ah ben, ça, il faut en parler à l'éditeur, à l'éditeur. Ah, <laughs> euh, alors, je, si, si, euh, je sais pas, moi, j'avais noté. Si tu veux bien, alors, euh, là on va, ouais, aller, ouais. on va aller vers, vers le. Vers, je te vers, suis, hein, vers, pas le patron, hein. vers, Bien sûr, on, tu parles. Euh, vers alors, le, je suis au commissariat. Hein, c'est que... vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je, je voudrais juste. Alors, il y a, y a plein de questions que j'essaierai de, de, ouais. de répercuter euh, pa, pa, vers, euh, pa, par la suite. Euh, pour aller quand même dans l'entretien, le, dans euh, notamment autour de la guerre de l'eau, euh, je te déroule les choses. Il y a Bolloré. Et puis, il y a aussi euh, Pegasus et Israël. Voilà. Alors, peut-être que je ne sais pas le, par lequel tu aurais. Euh, Envie de, de commencer, mais d'abord, je voudrais te demander euh, de, de préciser à ceux qui nous écoutent et qui sont très nombreux, euh, qui sont les gens euh, que tu as euh, rencontrés. Donc, il y a des espions, il y a ouais. une ministre euh, encore en exercice d'ailleurs que tu as que tu as vu euh, récemment, euh, il y a des diplomates. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce monde euh, interlope? <laughs> ba balance. <laughs> Interlope, carrément. <laughs> Déjà que j'ai pas beaucoup d'amis, alors bon, je, tu, tu renforces mon cas, putain. Ah parce bon. que ça c'est une lettre d'amour pour avoir, pour avoir des amis, tu peux. <laughs> <laughs> bon, Écoute, euh, oui. Alors, j'ai rencontré, je ne sais plus combien, j'ai fait d'entretiens pour ce bouquin. Alors, il y a, y a une partie de l'enquête qui, qui est très récente que j'ai faite grâce à, à l'ouverture entre guillemets, euh, du, euh, au déconfinement au printemps dernier. Donc, euh, j'ai bossé comme un dingue entre euh, le printemps et la rentrée euh, ouais, pour, ouais. pour finir l'enquête. Donc là, j'ai vu, pff, je ne sais plus une centaine de personnes en cinq mois, quoi, euh, voire plus. Et puis après, c'est une enquête avec le, où je reviens parfois dans le passé, et ça, c'est le résultat aussi de, 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 de deux à quatre ans d'enquête de, euh, ultérieure. Donc, c'est beaucoup d'entretiens. C'est un carnet d'adresses euh, que je me suis constitué après 15 ans euh, d'enquête. C'est effectivement euh, des gens du renseignement, pas forcément, enfin de, de tout renseignement privé, étatique, euh, ancien espion, toujours en poste. En fonction officielle, en off, en pas off, en off officiel, euh, c'est euh, des ministres que j'interroge ou des anciens ministres. C'est quoi ça, off officiel Je ne connais pas, c'est nouveau ça quoi, bah, euh... Alors, ça, c'est intéressant que tu me poses la question. Enfin, c'est vrai que c'est l'expression off officiel bah, Arrête de dire un... que mes questions sont intéressantes parce que j'ai l'impression qu'elles ne le sont pas. Non, 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 non. arrête, arrête. Généralement, <laughs> euh... c'est ce qu'on dit. Ah, oui, oui, votre question est intéressante. Puis en fait, tu réfléchis à, à comment tu vas répondre à autre chose. Bah... <rire> <rire> Merde, tu m'as coincé. Non, bah, je ouais. te dis je te dis que. Euh... <laughs> Qu'est-ce que c'est pour moi un off officiel C'est des, des gens qui ont un certain niveau de pouvoir dans l'administration, notamment là pour le coup, administration, police, justice ou tout ce que tu veux, qui parlent aux journalistes en off, mais qui ne délivrent pas euh, des éléments factuels vérifiés et recoupés, mais qui délivrent euh, une version officielle en réalité, sauf qu'ils ne veulent pas apparaître officiellement. En tant qu'individu, et c'est pour ça que je parle de off officiel, c'est en fait c'est de sage auprès des journalistes pour expliquer qu'en gros, un tel événement s'est déroulé de cette manière-là avec ces éléments, ces éléments, ces éléments. et moi, je considère, c'est mon boulot de journaliste, que ce n'est pas parce que c'est tel monsieur qui a tel poste dans telle, telle institution qui me dit ça en off, c'est-à-dire d'une manière confidentiel, c'est-à-dire pas en son nom, enfin pas en son nom, et ni même au nom de l'institution particulièrement, mais euh, ce n'est pas parce qu'il a ce poste-là et, et que euh, je dois euh, prendre pour argent comptant tout ce qu'il me raconte. Et, euh, et donc après, moi, c'est mon boulot justement de recouper, de pointer les incohérences, de euh, d'aller voir des sources différentes, y compris des sources euh, outsiders qui sont parfois à l'extérieur des institutions ou à l'intérieur des institutions, ce qu'on appelle parfois les lanceurs d'alerte, des gens qui sont en contestation au sein des institutions sur la parole officielle. Et c'est ça comment moi je pratique mon, mon, mon journalisme. Et pour finir sur les, les, les individus entre guillemets que j'ai pu rencontrer, oui il y a effectivement des anciens responsables politiques dont certains m'ont parlé là pour le coup en des ministres. Euh, des diplomates beaucoup, parce qu'il y a toute une partie sur le cas d'Orsay, et puis également euh, euh, tout un tas de, de responsables économiques, des patrons, des chefs d'entreprise, et puis euh, j'ai des, des sources qui travaillent également sur les sujets internationaux, mais en tant qu'acteur, euh, j'ai même parlé à des marchands d'armes, j'ai parlé euh, à, des, à ce qu'on appelle des intermédiaires sur les contrats internationaux, des, des gens qui font des deals à l'étranger, qui passent leur vie euh, dans, dans, dans des pays difficiles, voilà, enfin, c'est un ensemble de, de contacts et de sources. Euh, que que j'ai euh, mobilisé. C'est quand même plutôt masculin comme, 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 comme monde. Il comme. n'y euh, a, y a, y a pratiquement fait. que des mecs. Est-ce que, est euh, que, est que tu penses oui. que ça, ça explique, euh, ça explique euh, le, la merde dans laquelle on est? bah eh ben, c'est ce que je disais d'ailleurs euh, juste enfin c'est le constat qu'on faisait juste avant c'est-à-dire euh, des sujets qui sont devenus totalement entre guillemets de droite euh, mais euh, mais effectivement c'est très frappant de, de voir que on est dans un univers bien évidemment masculin euh, très euh, hétérosexuel pourquoi je dis hétérosexuel parce que je suis euh, pd euh, et, euh, et et euh, et donc on est on est très 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 c'est un univers extrêmement éloigné des préoccupations euh, générationnelles. Euh, moi, j'ai 40 ans. Euh, les moins de 40 ans, sauf quand ils travaillent, euh, et ça, je le vois euh, très clairement, sauf, sauf, soit, euh, sauf quand ils travaillent soit euh, dans des administrations publiques euh, stratégiques, soit quand ils travaillent dans des très grandes entreprises ou dans des secteurs stratégiques, généralement, les jeunes générations sont loin de toutes ces préoccupations-là stratégiques. Je te donne un exemple. Euh, moi, ce qui m'a énormément frappé, euh, c'est l'importance Non, mais ce que, ouais. ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, cette, cette vision du monde très, euh, euh, très concurrentielle, d'affrontement, parce que, bon, je veux dire, euh, tu nous parles d'un mec, et puis trois, 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 trois lignes en dessous, euh, il déteste l'autre que tu vas voir le lendemain, <laughs> qui déteste Alors, le troisième, et... <laughs> c'est absolument infernal. Je ne sais, je, ça... je sais, sais pas comment tu fais. ouais euh, <laughs> Parce que ces gens-là, ça s'aiment pas beaucoup. <laughs> non, ils se détestent entre eux. Ils se détestent entre eux. Et ça, c'est aussi un constat du livre c'est que pour parler de perte d'influence du pays, ou en tout cas de, 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 de perte d'autonomie du pays, d'indépendance, euh, comme le disent certains, euh, certains candidats, enfin là, je pense à Mélenchon, je ne pense pas à Zemmour, hein, parce que de toute façon, on en parlera de Zemmour après. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, euh, en gros, euh, euh, gros l'une des principales difficultés de ces dernières années, c'est qu'en gros, l'argent a perverti beaucoup de choses dans ces enjeux stratégiques et économiques. C'est-à-dire que euh, ces enjeux étatiques, diplomatiques, stratégiques ont de plus en plus été emprunts euh, d'intérêts purement personnels et purement économiques. C'est-à-dire, c'est le fric facile, c'est la courte vue. Donc, à défaut de stratégie, c'était l'enrichissement de différentes personnes. Et dans ce, euh, on va dire, cette situation-là, en plus… En France, tu as des guerres de réseau atomiques euh, sur des sujets bah, comme le nucléaire, par exemple. Par exemple, les écolos devraient s'en emparer parce qu'en fait, ils devraient utiliser les guerres, euh, les franco-françaises dans le nucléaire pour faire avancer leur agenda. Ça, c'est mon conseil amical euh, en passant. C'est-à-dire que, en fait, quand tu te penches et quand tu enquêtes sur ces secteurs-là, ce, ce qui frappe à premier abord sur la situation française, c'est qu'il n'y a pas, comme on dit dans les commentateurs sportifs, quand il y a les JO et la Glorium nationale, il n'y a pas d'équipe France. C'est totalement faux. Il n'y a que des gens qui se détestent avec des intérêts extrêmement opposés et, et extrêmement parfois dangereux d'ailleurs, mais surtout qui se tirent dans les pattes constamment à l'étranger, dans le pays pour des positions de pouvoir, pour de l'argent, parfois pour de la corruption et du financement et, et, et des questions euh, plus grises, plus sales, entre guillemets, euh, qui fait que euh, bah, l'appétit du gain euh, vient en mangeant, entre guillemets, et donc au bout du compte, effectivement, sur tout un tas de secteurs. Euh, sur lesquels j'ai enquêté, euh, ce qui est très 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 frappant, c'est que euh, on peut dire qu'il y a certaines oppositions qui sont liées à des choix stratégiques. Par exemple, dans le nucléaire, c'est les, les pro-EPR et les anti-EPR. Ouais. Mais en fait, derrière, il euh, y a aussi euh, les proximités politiques, les financements politiques, la corruption, les réseaux de financement. Il y a tout ça que j'aborde d'une certaine manière, d'une manière prudente, parce que raison de diffamation est tout le bordel. Mais il euh, euh, y a également tout ça qui, euh, et pas uniquement justement les ingérences étrangères qu'on a l'habitude de dire. Très clairement, Emmanuel Macron d'ailleurs, ses principales difficultés, de mon point de vue, ne viennent pas euh, des Russes ou, de, ou, des, euh, ou des Turcs, comme il l'a dit, même si c'est vrai aussi, mais ces difficultés ont, sont venues en réalité de guerres entre les réseaux euh, franco-français. Alors. Euh... À propos de zones de zones de, de zone glisses d'endroits et là maintenant maintenant, maintenant je prends l'interrogatoire. Hein. C'est bon. Là, il y a eu la première audition de dite de chic, hein. avais trois quarts d'heure où, où le où le suspect des des, des balles, ça, ces trucs. Et puis moi, maintenant, je, je, je reprends le je reprends la conduite de, de l'entretien, s'il te plaît. Hein. Euh, je sais comment tu travailles. Hein. Tu parles avec les gens, tu les mets en confiance. Non, 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 non ça marche pas avec moi. Alors, euh, <laughs> bon, le, le, il n'est pas question de résumer le livre euh, même en une heure et demie d'entretien. De, de, donc euh, j'ai fait des j'ai fait des coups de sonde, si tu veux bien, ouais, bien et, et notamment euh, donc il y a, y a ce grand chapitre sur le la, la guerre des ombres, et il y a euh, ce monde qui est le monde de la flotte, qui est le monde de l'eau euh, tu appelles ça la grande famille de l'eau, il y a différentes entreprises euh, qui, euh, qui sont enfin, euh, qui se partagent le, le marché et ces entreprises font appel euh, alors, soit à des agences de communication soit à des, euh, des agences de, 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 de renseignement et là il y a un, il y a, il y a un portrait, le portrait de portrait de quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Laurent euh, Obadia mmh. euh, et, euh, qui me semble, parce que tu lui consacre quand même pas mal de pas mal de pages qui, qui, me, pages, ouais. Ouais, qui, qui me semble euh, assez euh, exemplaire sur, sur cette zone grise mmh. euh, donc euh, voilà est ce que tu peux nous en dire c'est pas ce, ce monsieur là en particulier mais euh, qu'est ce qu'il représente et alors il se trouve c'est ça aussi qui m'a plu hein, page 86 le mec il, le mec dont tu vas parler quand même il a congédié par un simple sms le squal c'est-à-dire Bernard Squarsini, euh, à l'époque... Euh, ouais, voilà. Mais le squal... Assez euh, récemment, est en 2018, et, je crois. Non euh, voilà, et envoyé par le monsieur sécurité de Veolia. Oui, c'est... Euh, euh, voilà, exactement. Euh, ancien euh, policier du RAID. Voilà, ça, je, je trouve ça extrêmement important pour nous. C'est des questions qui nous, qui nous touchent, c'est-à-dire comment des anciens hauts policiers se retrouvent dans des boîtes de sécurité qui elles-mêmes sont au service de grosses boîtes qui sont... Euh, qui ont leur entrée à l'Élysée, voilà, pour, pour aller très vite, quoi. Alors, allons-y. Alors, bah, ça, tu parles de… Tu pointes le doigt, on va dire… Alors, je vais employer une expression complotiste, là, pour le coup. Enfin, ah, qui, fuck est cons... merde. qui est considérée comme complotiste, mais là, tu pointes le doigt sur ce qui pourrait s'apparenter en France à, à l'État profond, entre guillemets. Oui. Euh, C'est-à-dire, en fait, la, la de plus en plus grande imbrication des services de sécurité… Euh, des hauts fonctionnaires de police en fin de carrière, euh, retraités officiellement, qui se font euh, euh, embaucher par des grands groupes, hein, euh, des grands groupes industriels, donc là en fait tu parles euh, effectivement dans la guerre de la flotte de, du groupe Veolia, euh, qui donc ces derniers mois a, a eu une opération, euh, cest dire d'offensive boursière contre le groupe Suez, euh, les journaux en ont largement parlé, oui. et effectivement dans le livre, il y a, je consacre tout un chapitre à cet épisode-là conséquent et important de la fin du quinquennat d'un point de vue du mécano-industriel. Notamment, c'est un chapitre d'ambiance plutôt, je qualifierais, où je pointe justement des personnages. Je pointe des personnages dont la presse ne parle quasiment jamais. Et pourquoi Parce que Laurent Badia, dont tu as parlé, il est à la frontière de différents univers stratégiques, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, est historiquement directeur de la communication du groupe Veolia. Et en cela, il connaît tous les journalistes euh, qui comptent sur la place de Paris. D'ailleurs, il a été à deux reprises euh, élu meilleur euh, d'IRCOM de la place de Paris par des journalistes professionnels. Euh, euh, Laurent Obadia est devenu conseiller spécial d'Antoine Frérot, qui est le grand patron de Veolia. Mais pour que les gens comprennent, il a été dans le passé et toujours aujourd'hui euh, dans le giron euh, de la boîte d'une de l'une des plus grosses boîtes d'influence de relations publiques et de communication de la place de Paris je veux parler d'avas qui appartient aujourd'hui au groupe Bolloré et euh, Laurent Badia euh, par ailleurs a été par le passé un proche euh, de Alexandre Jury, un intermédiaire sur les contrats internationaux euh, et euh, pourquoi je dis qu'il a la frontière Parce qu'il a la frontière de la communication, de l'influence, des relations publiques. Donc ça, c'est son job à, à, à Veolia. Et en même temps, il a des liens, et il embauche, et il a des liens avec les services euh, de sécurité. Il embauche des anciens policiers, on parlait de Firminghi tout à l'heure. Et il a des liens avec, en fait... Jean-Louis service... Jean Firminghi, qui est l'ancien voilà. patron du raid. L'ancien patron du raid, qui est, qui, était, qui est devenu, il y a quelques années, le, le patron sécurité de, de Veolia. Euh, et en réalité, Obadiah, c'est un homme à tout faire parce qu'avec ses contacts dans le renseignement, dans la police, il a une mine d'informations considérable. Euh, il travaille avec des boîtes d'intelligence économique euh, qu'on appelle euh, pudiquement boîtes d'intelligence économique, euh, qui font du renseignement économique. Euh, parfois, d'ailleurs, il suffit de regarder sur les sites Internet de ces boîtes pour comprendre que c'est du renseignement parfois offensif. Euh, euh, présentée comme légale, euh, mais euh, voilà. Et, oui. Alors euh, tu, euh, par exemple, ouais. tu, tu page 87, tu, tu parles de, de, de l'une d'elles euh, dont tu dis qu'elle est particulièrement redoutée dans le monde des affaires et du renseignement, ouais. euh, qui a été confondée par un ancien euh, militaire des forces spéciales de la DGSE. alors ouais. ça, c'est le bureau des légendes, mais en vrai, quoi. C'est le bureau des légendes <laughs> en vrai, et en plus c'est <laughs> le bureau des légendes euh, aux, aux mains d'intérêts privés. Hein, euh... Et, voilà. et, et tu dis que bah voilà tout, tout de, de manière très 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 benoît euh, euh, cette, cette entreprise annonce euh, que parmi ses missions il y a des missions défensives et réactives <laughs> Réactive, bien sûr, dans le renseignement, <laughs> l'investigation et la protection, avec des, les guillemets d'usage. Du, les, 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 les je, je continue juste quand même, parce qu'on euh, va trouver dans ce, dans ce genre de monde une communicante. Alors pour une fois, là, justement, il y a une femme, euh, euh, patronne de l'agence Image 7, Anne Mo, qui conseille de nombreux grands patrons du CAC 40. Qui fait appel régulièrement à ce genre d'entreprise. Euh, tu nous parles euh, également d'Arnaud Dacier, l'ancien responsable internet de la campagne de Nicolas Sarkozy, euh, qui est dans une autre boîte dite d'intelligence ouais. économique, euh, qui elle-même fait quand même la cible de, dis-tu, des spions de la DGSE. Hein, euh, genre, mmh. euh, bon, euh, là, vous allez un peu trop loin, les amis, euh, ouais. euh, etc., etc. Et alors, bon, ça, 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 ça n'arrête pas. Euh, donc là, on voit que c'est gauche, c'est droite, euh, c'est CAC-40. Euh, là, pour le coup, il y a une, 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 une forme de camaraderie. Enfin, ils se détestent entre eux, mais tout le monde utilise ce genre de... de, 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 de comment t'appelles ça, d'ailleurs bah, En fait, dans la guerre économique, il y, a, il y, a, il y, a, y compris sur le territoire français, entre boîtes françaises, euh, il y a des opérations d'espionnage économique, en réalité. Hein. C'est ça. Euh, et donc, euh, il faut voir... Les, les cadres, les hauts cadres de ces entreprises, euh, autant ils peuvent être totalement naïfs euh, d'un point de vue euh, de, de cybersécurité, de, euh, de de leur entreprise euh, euh, et, de, et de respect de, de règles de sécurité à, à tout niveau, euh, par exemple, euh, genre la, la mise la mise à jour de, de leurs iPhones, par exemple, des choses comme ça. Euh, euh, autant, euh, autant personnellement dans leur jeu de pouvoir, ils sont dans une paranoïa totale, entre guillemets, ils voient des ennemis partout, mais en même temps, dans, euh, par exemple dans le jeu de fusion Veolia-Suez, enfin, ouais, sur lequel j'ai enquêté, euh, chaque partie était dans une paranoïa dingue. Et bien évidemment, ils ont des avocats d'affaires avec eux, ils ont euh, des... Euh, Pourquoi, t'en as pas, toi non. Nous on a trois, on en a trois ici, on a, <laughs> a trois qui gèrent nos intérêts. Voilà, euh, donc euh, ils, ils ont des boîtes de communication avec eux, mais ils ont également des gens, euh, voilà, spécialistes en intelligence économique avec eux, et tout le monde se, se tire la bourre entre guillemets dans ces, dans ces, dans ces épisodes-là, dans ces combats homériques-là du CAC 40. Mais tu parlais de Squarcini, parce que... Effectivement... Attends, attends, oh là là, Squarcini, on va, on, va, on va y revenir, on va y revenir. Mais, mais simplement, ouais. euh, par rapport à la paranoïa dont, dont, que, que tu leur prêtes, est-ce que tu penses que là, ils sont en train de, de t'écouter De savoir euh, ce, que es, ce que tu peux dire du est, bouquin euh, Est-ce est ah, est que tu penses qu'il y a quelqu'un qui probable. va faire un transcript C'est bon, voilà. possible. C'est possible. Sur le dernier bouquin, Le grand manipulateur, euh, oui. mais là pour le coup, ce n'est euh, même pas du renseignement. Enfin là pour le coup, c'est du renseignement euh, totalement source ouverte. Oui. Euh, euh, j'ai fait un grand entretien avec euh, notre confrère euh, Denis euh, Robert euh, quand il était aux médias. Euh, c'est un entretien qui a duré deux heures où euh, j'ai beaucoup parlé. Euh, L'entretien avait été. Euh, tu m'étonnes. L'entretien. <laughs> je pense avait, que tu étonnes tout le monde là. <laughs> euh, voilà, avait été scruté et avait été entièrement retranscrit et un grand patron que je connais euh, d'ailleurs euh, m'envoyait un mail euh, totalement euh, furieux parce que j'avais dit quelque chose qu'il euh, estimait. Euh, que je ne devais pas dire entre guillemets et, euh, et il était au courant euh, donc pas, pas dans l'heure mais 24 heures après il était au courant exactement de ce que j'avais dit euh, dans l'interview de Denis Robert qui était en direct donc c'était là pour le coup c'est juste de la retranscription oui, bien sûr, bien sûr, bien mais, sûr. pour te dire qu'ils ont des moyens colossaux y compris en source ouverte ils ont des moyens colossaux pour être au courant à la minute près parce que dans cette guerre économique la guerre de l'information est cruciale et c'est toujours parce que tu as l'information avant les autres que tu peux gagner une partie dans une partie d'échecs et donc euh, juste pour revenir à Scorsini effectivement Obadia je l'ai fait court parce que j'ai dit qu'il était proche de Joury maintenant il est fâché avec Joury c'est ça c'est ça parce que moi une je ben oui une voilà c'est ça lui. parce que au début on se disait ah, ils sont copains et puis trois fois peux plus voir, ben non maintenant ils mais sont... non ils sont fâchés <laughs> et donc c'est la raison et c'est la raison pour laquelle euh, alors et par ailleurs pourquoi Obadia est très important j'ai oublié de le préciser mais pourquoi Obadia est très important parce que c'est le ça, je l'avais découvert lors de la précédente enquête. C'est que c'est le vrai mentor d'Ismaël Emelian, donc l'un des principaux conseillers euh, politiques d'Emmanuel Macron, même si Emelian n'est plus à l'Élysée depuis l'affaire Benalla. Alors tu dis que euh, tu dis dans ton livre que euh, serait euh, un tiers de son temps quand même consacré à conseiller euh, Macron. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est c'est des propos rapportés, mais c'est ce qu'Ismaël Emelian dit à certaines de certains de mes contacts, certaines de mes sources. Il dit que, en plus de ses activités de conseil privé actuellement sur la place de Paris et même à l'international, il, il continue de conseiller le président de la République à peu près un tiers, un tiers de son temps. Et il a été viré il, suite à l'affaire Benalla. Il a été officiel. Enfin, il n'est plus en poste oui, à l'Élysée, mais en réalité, il travaille toujours informellement pour le président de la République. Pour revenir à Obadia Scarsini, parce que c'est voilà, extrêmement, bien extrêmement bien important sûr. et je sais que Scorsini, ça intéresse les gens. C'est normal. Mais euh, euh, dans... -à dire que dans l'affaire dite, dite de Tarnac Scorsini, c'était important. Donc, euh... Moi, j'ai passé du temps avec lui, si tu oui, bah, oui, je sais et, bien. Et, et depuis, bien. je me surveille je... Je... Voilà, je <laughs> Tu t'es tu... <laughs> documenté un petit bon. peu. Euh, euh, Scorsini, par exemple, ce qu'il faut savoir, par exemple, parce qu'on parlait des boîtes d'intelligence économique et de renseignement privé, euh, euh, donc, y a eu... donc là, on a vu, mais c'est documenté par Mediapart, LVMH, l'affaire LVMH, Scorsini et tout ça. Mais par exemple, Squarcini, au départ, il bosse pour LVMH, notamment, euh, pas, pas pour s'occuper de François Ruffin au début. Il, il, il bosse pour euh, LVMH contre les concurrents de LVMH, de LVMH, y compris dans le luxe et dans le grand luxe. Et donc, tu, et, 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 quelle bataille il y a eu ces dernières années dans le, dans le luxe Il y a eu la bataille entre le groupe Hermès et voilà. le groupe LVMH. Et LVMH voulait prendre le contrôle d'Hermès, qui est une maison familiale. Et du côté d'Hermès... Tu avais la, communicante, la grande communicante anne Méo, et tu avais euh, la boîte d'intelligence économique que tu n'as pas citée d'ailleurs, qui, qui s'appelle Axis, euh, et qui travaille par ailleurs avec euh, Monsieur Laurent Obadia. Et en face, tu avais ce non, signe. je 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 l'ai pas cité. Je, je vais être tout à fait euh, transparent, Marc. C'est parce que quand on a un tout petit peu préparé euh, l'émission, tu m'as dit oui. que il fallait faire un peu attention euh, oui, à, fait, à, à certains noms. Mais, donc mais, mais, voilà, toi, voilà, voilà, enfin, je... on, on reste prudent. Enfin, est oh, on, on est très prudent. Voilà. Mais je dis je dis que ce que je peux te prouver et euh, voilà, je je, je reste euh, prudent. Donc, mais ce que ce que je veux faire comprendre, c'est que Là, on est vraiment dans du détail, mais en même temps, c'est intéressant, c'est que euh, Obadia euh, s'est retrouvé euh, contre Squarcini pour des raisons euh, personnelles et aussi de placement politique, parce que Obadia est passé, si je la fais très courte, de, euh, la, de la, le, du Giron sarkoziste sous le quinquennat de Sarkozy au Giron de Manuel Valls pendant le quinquennat de François Hollande. Euh, et qu'à la fin du quinquennat de François Hollande, il y a eu une guerre monstrueuse de réseaux, notamment sur le terrain français-africain, entre les réseaux de Manuel Valls et les réseaux de Nicolas Sarkozy. Et dans cette guerre-là, Squarsini, pour le coup, a, euh, a perdu beaucoup de plumes, on va dire, euh, sans compter ses ennuis, ses ennuis judiciaires qui se sont accumulés. Mais voilà, il y a toute cette bataille-là que je reprends... Valls, dont, euh, dont tu donnes quand même une. Enfin, dont... Auquel okay, tu accordes une importance euh, plus, plus grande que je ne le pensais. Oui. Dans, dans les rouages. Je... Euh, oui, bah parce que Valls a, a, a constitué son parcours politique sur le régalien, comme on dit, et passé par le ministère de l'Intérieur. Et de ce point de vue-là, euh, euh, il est en contact avec euh, énormément euh, d'acteurs que, que je cite. Il ne faut jamais oublier par ailleurs que ses deux meilleurs amis, entre guillemets, étudiants, euh, sur les, euh, qui sont extrêmement importants, c'est Stéphane Fuchs, voilà. euh, directeur général de l'agence Savas. Euh, voilà, euh, ancien soutien de ministre Oscar, mais Stéphane Fuchs et euh, le criminologue euh, Alain, Alain Boer, Alain, et, Boer qui re, qui aussi, euh... Alain Boer, qui revient aussi. Alain Boer qui revient partout, qui est consultant euh, international et compagnie. Que je cite à un moment clé du livre, euh, t as peut-être vu euh, parce que euh, j'ai appris qu'il avait été euh, consultant du groupe Microsoft. Oui, euh, ces, dernières, ces dernières années sur la place de Paris. Et Alain Bauer, par ailleurs, il s'est occupé d'une structure qui s'appelle, dans mon souvenir, ça, j'en parle pas dans le livre, mais qui s'appelle le CAPS, et qui est chargé de, pour le ministère de l'Intérieur d'apporter euh, les visas à toutes les sociétés de sécurité privée sur le territoire français. Et donc, c'est des gens qui sont. Euh, voilà, tu rigoles. Ben ouais, ben je, euh, je rigole. En fait, non, je, tu, non, sais, mais... tu sais pourquoi je rigole parce que, parce que je le trouve euh, très tendre. Voilà. Tu vois, euh... je, je, dans, la, dans, la, dans la critique, dans la euh, voilà, que, quand on voit ce qui est à l'œuvre, euh... ah, tu me trouves très tendre dans la critique. Non, d'une manière générale. Je, ouais. je, non, non, euh, non, non. Euh, alors toi, tu fais ton travail, c'est-à-dire que tu es ouais. euh, ça, il faut que les gens dans le chat le, 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 le comprennent, c'est-à-dire que toi, tu es redevable, enfin, tu es comptable de tes propos devant les tribunaux. Donc, voilà. tu ne peux écrire que ce que tu peux prouver. Mais tu en sais évidemment plus. Bah oui, j'en sais <laughs> beaucoup plus. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, <laughs> un jour, on viendra directement dans ton cerveau. <laughs> ouais. euh, oui, oui, Bohr a était euh, effectivement très, très présent dans l'affaire de, 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 de Tarnac. Alors Ailleurs. Je, Ailleurs. Je, 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 je reviens, puisque c'est euh, enfin, voilà, oui. en partie de lui que, que parle l'histoire, puisqu'il achète sûr. sur Amazon, d'ailleurs, il euh, achète euh, le livre de... la solution qui vient voilà. euh, du Comité Invisible on ne donne pas de nom ici. Alors, euh, donc, euh, je, je reste une seconde sur... Il euh, y, a, y a deux boîtes de sécurité euh, dont, dont tu parles. Il y a celle de, 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 de ce garçon-là, dont on vient de, de, de parler. Enfin, lui, puis, il n'a pas de boîte de sécurité, mais il bosse avec. Il, il bosse, et, voilà, et il, bosse, comme, il bosse avec. toutes les boîtes du CAC 40. Hein, c'est voilà. ça. Et alors, ce qui m'a fait rigoler quand même, c'est qu'il euh, y a donc deux boîtes qui sont ultra concurrentes et qui sont en fait... Je te laisse nous dire où est-ce qu'elle. Euh, si tu te souviens, si c'est bien toi qui a écrit la page 480. Oui, oui, euh, oui j'écris des choses, parfois je ne devrais pas. Si tu Mais moi ça m'a fait beaucoup rire, parce que, exactement, ouais. regarde, il faut écrire une fiction dans laquelle euh, euh, tout ce qu'il sait, euh, dit euh, TFA dans le, dans le, dans le, dans le chat. Et donc, un truc que si on l'écrivait dans une fiction, on dirait ah vraiment c'est du téléfilm à la TF1, c'est tout pourri. Mais en fait, il se trouve que ces deux boîtes ultra concurrentes, euh, qui sont euh, donc, euh, dont les clients, c'est les plus grosses boîtes du 440, en fait, ouais. elles sont... Elles, alors, elles étaient, parce que la, la, la tour Montparnasse est, commence à être en travaux, mais ces dernières années, c'est-à-dire il y a encore il y a quelques semaines encore, elles étaient voisines, euh, l'une sur l'autre, sur deux étages différents euh, de la tour Montparnasse. Et euh, l'une, euh, c'est ce que j'ai découvert, est relativement proche du pouvoir actuel, mais l'autre, euh, qui est d'ailleurs assez proche de Sarkozy, Sarkozy qui est également assez proche du pouvoir actuel sur une partie, a embauché l'ancien conseiller de communication d'Emmanuel Macron qui s'appelle Sylvain Fort. Oui. Et, euh, et donc Sylvain Fort travaille pour l'autre boîte qui s'appelle donc Avisa Partners. Et euh, voilà, ça permet à ces boîtes tout simplement de décrocher des contrats. Euh, voilà, ça c'est du jeu d'influence et compagnie et compagnie. Mais on est effectivement dans une zone grise où euh, il y a beaucoup d'informations qui sont échangées. Euh, parfois même auprès des journalistes d'ailleurs. Euh, et c'est pour ça que d'habitude, euh, ces gens de l'ombre sont relativement peu cités. Euh, dans les différentes enquêtes, même s'ils si peuvent parfois jouer un rôle important euh, sur différents sujets. Voilà, j'en dirai pas pour l'instant, pas plus, mais <laughs> c est, c est, c est, le reste est dans le livre en partie. Voilà. À, avant d'attaquer, sure. si je puis dire, le, le, le chapitre Bolloré, euh, je, je voudrais quand même réagir sur ce qu'a dit euh, tout à l'heure euh, je ne sais plus, TFA, je crois, ouais, TFA, euh, sur l'idée qu'à la limite, tu devrais peut-être écrire une, une fiction pour pouvoir justement euh, t'affranchir. Des, des, des problèmes de diffamation, encore que dans une fiction photographe. Enfin, C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de, de, de liberté. Euh, je, je voulais te, te poser une question, mais d'abord, je remercie infiniment nous, nos à nous. Hein, ce sont les donateurs et là euh, euh, depuis qu'on parle des barbous il y a jamais eu autant de dons à l'émission que <rire> donc, <rire> donc donc merci à la Boer euh, merci euh, les uns et les autres voilà euh, <laughs> et surtout merci aux, aux, aux donateurs il y a quand même eu euh, à certains moments cette nuit quand je lisais ton bouquin j'avais quand même un petit un petit moment de recul c'est à dire que euh, là, je te provoque évidemment. Est-ce ouais. que, est-ce que n'y a pas aussi, euh, c'est pas un peu commode de, de penser euh, que voilà quelques personnes tirent les ficelles, que c'est un monde euh, d'entre-soi, euh, euh, tout le monde se connaît et finalement euh, on est concurrent un jour, on est partenaire le lendemain, etc. Est-ce que c'est pas euh, croire que, euh, un mot que je déteste, mais que seuls les décideurs euh, décident du monde. Est-ce que tu, parce que c'est quand même ce qu'on ressent quand on lit ton bouquin. Que tout se décide par Non, euh, c'est pas ce que je dis. Euh, je, je, je dis que dans ces secteurs-là stratégiques, bien évidemment, qu'ils euh, sont, euh, dire, Ils sont centraux. Euh, après, euh, on parlait de crise démocratique tout à l'heure, euh, des populations, des peuples et compagnie. Euh, bien évidemment, que euh, c'est un, un immense, un immense caillou dans la, la chaussure de tous ces gens-là, en réalité. Ouais, euh, ouais. Si tu veux, parce que mais là, je vais faire. Tu vois, j'ai pas fait un traité de philosophie politique sur le fait que du fait. Non, que mais dans, ce, que, ouais. ce que je veux dire, Marc, je, je, je euh, encore encore une fois, c'est une enquête vraiment très précise, très 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 fouillée et pas du tout fouillée, hein, très fouillée. Euh, mais euh, je peux aussi comprendre que tu puisses être emporté par euh, le fait de rencontrer tel ou tel euh, qui accorde de l'importance à l'autre en te disant que c'est son ami, donc l'importance rejaillit sur lui, etc. Est-ce qu'il n'y a, a pas des moments où tu, où tu te dis, tiens, je sans être fasciné, je, je peux me faire avoir un peu par euh, soit le décorum euh, euh, des, des, des lieux où on te reçoit, euh, qui à mon avis ne sont pas. Euh, ben voilà, c'est pas la gargote. Euh, alors, je suis, je suis, si, si j'étais fasciné par ces lieux-là, enfin euh, au niveau décorum, j'aurais pas écrit le livre, <laughs> je crois. Parce, <laughs> parce que tu veux là, dire, tu, tu peux pas y retourner ben, ben, Non, mais ben, si je peux y retourner, mais disons que il y mes sources euh, privilégiées ou autres, euh, euh, on dit, hein, trouvent que je fais un travail d'intérêt public. Si tu veux, sinon, je parlerais pas. Après, je ne suis pas naïf. Ils me parlent parfois parce qu'ils ont leurs propres intérêts dans ces parties que je, décrive, que je décris, et donc euh, ils ont intérêt à sortir telle information, telle information, contre un tel ou contre un tel. Le, la difficulté de mon travail, d'ailleurs, à travers ce livre, c'est que généralement, j'ai globalement pri privilégié aucun clan en, en, qui s'oppose entre eux, si tu veux. Oui. Euh, ce qui est quand même extrêmement rare, parce que c'est très facile dans le journalisme de, euh, de, de, de se rapprocher d'un clan pour taper un autre clan. Si tu veux bien sûr, et, et, et moi euh, bah, par honnêteté intellectuelle, euh, c'est pas parce que euh, je m'informe d'un côté que je vais pas enquêter sur ce côté-là ou autre. Alors, c'est toujours difficile euh, de faire ce travail là, mais c'est pour ça que parfois ça peut être un peu euh, fouillé. Et après, par rapport à, pour répondre à ta question, euh, je prends pas encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je prends pas pour argent comptant, y compris toutes leurs obsessions, parce que euh, euh, j'aurais re, retranscrit. Euh, mot pour mot entre guillemets euh, tout ce qu'ils peuvent me dire euh, en off euh, en privé euh, c'est un monde euh, effrayant sur le plan humain c'est à dire que euh, c'est des gens euh, qui, sont, euh, qui sont dans la peur qui sont dans la paranoïa je disais pour certains et, et, et qui, sont, euh, qui sont embringués dans un jeu de pouvoir j'ai pas du tout moi à mon échelle envie d'y participer après j'ai une fascination euh, de curiosité tu vois et, et, euh, et, et de compréhension et de compréhension euh, et surtout je n'aime même je n'aime pas particulièrement me faire avoir euh, par tel ou tel euh, donc euh, justement euh, il y a certains euh, médias quand j'ai sorti mon deuxième livre là sur les réseaux Macron qui m'ont dit euh, mais vous êtes obsessionnel sur Macron non je suis pas obsessionnel sur Macron déjà c'est parce que c'était pas le même angle comme je l'ai dit mais mmh. surtout c'est parce que par rapport au premier bouquin je me suis aperçu que j'avais des biais de source parfois et que sur certains éléments, j'avais été entre guillemets en deçà de la réalité. Et que pourquoi j'avais été en deçà de la réalité Parce qu'il y avait des sources qui, qui ne m'avaient pas parlé, il y avait des sources qui au contraire avaient eu intérêt à parler et vice versa. Et donc, entre le premier et le deuxième bouquin ou même celui-ci, il y a eu une évolution de mon regard sur certains sujets, si tu veux et que je n'ai pas de vérité absolue, et j'aime bien justement remettre en, en, en cause et en question certains regards que j'ai, si tu veux, euh, y compris par rapport à des gens que je peux connaître euh, mais, relativement mais, bien. Mais, voilà. mais Marc, est-ce que tu penses qu'on peut. Est-ce que tu, tu peux comprendre qu'on qu puisse se dire qu'à certains moments, tu accordes beaucoup d'importance aux individus plus qu'au système, au fond ou est-ce que tu veux nous faire croire, enfin nous faire comprendre, pardon, excuse-moi, que euh, derrière des systèmes il y a des individus qui décident bah, c'est le travail journalistique ou c'est les limites du travail journalistique, c'est-à-dire, euh, moi tu sais j'ai une formation de sociologue, donc euh, les, syst les, systèmes, euh, 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 les systèmes, je sais ce que c'est, entre guillemets, les systèmes, je sais ce que c'est, mais là je fais la chronique journalistique. Où je mets effectivement des individus dans ce système-là. Justement, si le bouquin est aussi large et aussi, simple et aussi imposant, c'est que j'ai parlé là des vrais sujets de fond et stratégiques. Ce n'est pas uniquement un bouquin de name-dropping ou de réseau, justement. Ah non, bien sûr. En l'occurrence. Bien sûr. Euh, c'est que j'ai raconté une histoire. J'ai voulu raconter une histoire avec effectivement des acteurs qui, pour certains, sont très peu médiatisés. Et donc, journalistiquement, c'est une autre limite. C'est comment médiatiser des acteurs très peu médiatisés qui ont beaucoup de pouvoir à la fois parce qu'il y a un risque juridique, comme tu le notais, mais il y a également un risque de non-compréhension auprès d'un public parfois non averti ou non initié, je dirais, parce que c'est très difficile pour un journaliste de parler de gens qui sont en réalité tapis, entre guillemets, dans l'ombre. Enfin, là, ça fait... Oh là là, ils sont tapis dans l'ombre, non, mais qui ne sont pas jusqu'à présent médiatisés. Et c'est ouais, tellement bien sûr. plus facile bien sûr. de raconter une histoire journalistique à partir de personnages qui sont déjà médiatisés. Pour te le dire assez vite... Il y a, je comprends par rapport à ton parcours et à ton histoire et, et ce que tu as vécu. Euh, Squarcini est extrêmement important dans le système et encore aujourd'hui, d'une certaine manière, notamment quand il était en poste à LVMH. Il ne l'est plus d'ailleurs, hein, il s'est fait virer oui, oui. euh, avec tous les ennuis judiciaires qu'il a eu, Mais depuis 10 ans, depuis 10 ans que Nicolas Sarkozy n'est plus au pouvoir, il y a d'autres acteurs que Bernard Squarcini. Bien, sûr, que, bien et sûr. Justement, c'est ce que je montre à travers l'enquête. Après ta remarque qui était très. Euh, Enfin, qui me, que, je, que je me pose également, enfin, la question que tu, que tu te posais tout à l'heure euh, sur la fiction, c'est une question que mes interlocuteurs se posent, que moi je me pose, c'est-à-dire qu'en euh, termes de révélation et en termes de, de faire prendre conscience au grand public de la situation des choses, c'est vrai que j'aboutis aux, aux limites du, et, et toi aussi, tu t'es posé les questions dans ton parcours journalistique, je le sais les limites du travail journalistique aujourd'hui. C'est-à-dire que sur ces milieux d'opacité de pouvoir, c'est presque plus facile de passer par de la fiction que de passer par le journalisme. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard si le bouquin s'appelle L'emprise, parce que c'est une citation directe du bouquin de Marc Dugain, « l'emprise qui, en fait, traitait exactement du même sujet, parce que par exemple, dans l'emprise de Marc Dugain, il y avait les questions des jeux euh, des clans nucléaires qui se sont écharpés ces dernières années euh, au plus haut niveau de l'État en France. Mais, et, et, mais par exemple, euh, moi ce que je trouve fascinant, c'est euh, qu'une euh, série, euh, euh, je crois que c'est HBO, mais je ne sais plus si c'est HBO, euh, la série Succession. Euh, Succession, bien sûr. Bien sûr. Euh, la série Succession, donc une série américaine sur sur, euh, sur, sur... sur Murdoch. Sur Murdoch, en fait, mais enfin, sur un grand mania des, 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 des médias américains euh, totalement réactionnaires et compagnie. Euh, la, la, la succession est presque plus véridique, euh, la véracité hein, est presque plus importante, si tu veux, qu'à travers des articles journalistiques euh, qu'on peut lire. Euh, oui, parce que, par, parce que précisément, il y a, y a la patte humaine, il y a la vérité humaine que, que, que la fiction peut, peut, peut amener, peut, peut, peut souligner. Euh, tu viens de parler de, de, de Murdoch, <laughs> passons à Bolloré. Ouais. Passons à Bolloré, à qui tu, tu consacres un chapitre qui est le chapitre 18, page 499. Alors, euh, et tu tentes et tu arrives euh, en grande grande partie à répondre à une, à une grande question c'est à quoi joue Bolloré vis-à-vis -vis de Macron Et euh, moi, alors là, j'ai appris, mais alors à chaque page, j'ai appris des trucs. Euh, donc Bolloré, euh, bon, tout le monde sait qui il est, Macron aussi. Mais par contre, moi, tu me parles d'un mec, je ne pas du tout qui c'était Henri Hermant, euh, qui est celui qui fait qui va faire fortune. Dans les centres commerciaux, qui est ami et financier de Michel Rocard, qui présente Macron à Vincent Bolloré. Non, mais déjà, rien que cette phrase-là, tu te dis. Ben, oui, une gros... une... Ça fait partie des révélations, elles sont nombreuses dans le bouquin. Effectivement. Je, je... Donc je la relis, et là, tu vois, tu vois là, là, je l'ai bien stabilisé. Je lui dis, ah on là, là, quand même. Donc Henri Hermand, qui a fait fortune dans les centres commerciaux, et ami et financier de Michel Rocard, qui présente Emmanuel Macron à Vincent Bolloré. Paix à son âme, puisqu'on apprend à la page qui suit que euh, l'homme euh, euh, est, est, est décédé euh, en 2016 et que euh, son décès va jouer une brouille, va jouer un, un, un rôle dans la brouille entre euh, Macron et, euh, et Bolloré. Alors oui euh, bah là on est dans la patte humaine d'ailleurs tu, dont tu parlais. Euh, en fait, donc henri Armand, c'est un personnage que je connais, que j'ai rencontré, euh, que j'ai rencontré quand je travaillais sur l'ambigu Monsieur Macron. Donc c'est un des mentors euh, principaux d'Emmanuel Macron euh, quand il était euh, jeune étudiant. C'est lui d'ailleurs qui lui a financé son, son mariage en partie. henri Armand, comme tu l'as décrit, était euh, un industriel de la grande distribution et un ami et financier de Michel Rocard. Et euh, en fait, j'ai appris que euh, c'était lui qui, en fait, à l'origine avait euh, mis en relation Emmanuel Macron et Vincent Bolloré. Euh, et c'est très important parce que et la ça, relation... ça 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 n'avait jamais été dit non ça n'a jamais été dit ça n'a jamais été dit et c'est très important parce que la relation entre Henri Herman et Emmanuel Macron est une, était une relation quasiment filiale euh, très 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 forte et Henri Herman avait des intérêts également en Afrique parce que il avait donc déjà une maison personnelle à Tanger il y séjournait très régulièrement il séjournait très régulièrement au Maroc mais surtout il pouvait faire et ça aussi c'est ce que j'ai découvert du business en Afrique. C'est comme ça qu'il connaissait c'est comme ça qu'il connaissait Bolloré et c'est effectivement lui qui euh, fait rencontrer Emmanuel Macron à Vincent Bolloré. Alors c'est très important parce que euh, en 2016 2017 tout le monde l'a un peu oublié mais en fait le groupe Bolloré est très présent dans la campagne d'Emmanuel Macron, on parle plein d'oligarques souvent, et d'ailleurs on a parlé de Xavier Niel, on a parlé bien évidemment et avec raison de, de, de Bernard Arnault, mais on a assez peu parlé du groupe Bolloré, alors que l'agence Savas a été très active auprès d'Emmanuel Macron, notamment Marie. via Ismaël Emelian qui avait travaillé à l'agence Savas, on en a parlé déjà, mais il y avait également des liens justement privilégiés de l'agence Savas avec le groupe Canal, qui était déjà à l'époque propriété de Bolloré, donc. Et surtout, Yannick Bolloré, le fils, avait rencontré à plusieurs reprises le couple Macron pendant l'élection présidentielle, y compris entre les deux tours. Je l'avais déjà documenté et rapporté, mais je le rappelle dans le livre cette fois-ci. Et à chaque fois, d'ailleurs, la rencontre a été permise par un autre dinosaure, entre guillemets, de la Ve République. Je parlais du communicant Jacques Séguéla, qui est au sein de l'agence Avas, toujours vice-président de l'agence Avas. Ah, sur... là la, la force tranquille. Je dis euh, ça parce que. Euh, ça euh, ça attends, veut... attends, attends, ouais. attends, Marc, excuse-moi, je ouais. me fais engueuler par le chat, euh, mais quand même, il est très connu, euh, mentor de Macron qui est mort délaissé par celui-ci. Euh, oui, c'est euh, vrai. Voilà, oh là là, je me fais engueuler, euh, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, à l'époque euh, des révélations de Marc, je vis à l'autre bout du monde, hein, et donc euh, moi, l'accession au pouvoir de Macron, je ne la connais pas. Voilà, donc excusez-moi, voilà, on a chacun des. On a chacun c'est <laughs> marotte, c'est normal, c'est <laughs> marotte et c'est banque. Voilà. Donc, mais c'est super que tu que tu puisses expliquer et, ça. Et, et donc, si tu veux, là pour le coup, ce que j'apporte là dans l'enquête, c'est que c'est Herman, qui fait encore une fois qui fait rencontrer Macron à, à Beloré. Et ça, je l'avais jamais dit, et je, ne, je ne le savais pas. Et effectivement, Herman meurt à l'automne 2016. Il faut le sa... il faut savoir qu'il meurt à l'automne 2016. Il a 93 ans, mais il est déjà extrêmement fâché à l'égard d'Emmanuel Macron. Qui le snob à la fin de sa vie. C'est un passage très dur entre Henri Armand et, et Emmanuel Macron euh, au moment où Emmanuel Macron euh, se lance à l'élection présidentielle. Et c'est une des raisons, on va dire, psychologiques et humaines qu'une de, de mes sources a invoquée pour expliquer la distanciation entre Bolloré et Macron. Mais ça, c'est le, le point de départ. C'est un voilà. point de départ important parce que ça veut dire quand même une chose c'est qu'avant d'être ennemi, Bolloré, entre guillemets, euh, ne mettait jamais ses œufs dans le même panier et ne le fait toujours pas d'ailleurs. Et donc, euh, il, était, il était devenu très proche de François Hollande pendant le dernier quinquennat, à la fin du quinquennat. On l'a oublié, mais quand il prend le contrôle de Canal ⁇ et du groupe Vivendi, les socialistes à l'époque ne disent aucun mot, ne crient pas au scandale, ne disent pas ⁇ Attention, Bolloré prend le contrôle de Canal ⁇ Et ça, c'est quand même un truc à, à, à rappeler. Euh, voilà. Et euh, par ailleurs, Bolloré, euh, en 2011, quand il prend le contrôle déjà de Vivendi avant de prendre le contrôle de Canal+ là, pour le coup, il téléphone les, à l'Elysée et Nicolas Sarkozy et il annonce, ça aussi c'est un truc que j'avais déjà écrit mais que j'ai réécrit pour préciser les choses, euh, il annonce à ce moment-là à son ami Nicolas Sarkozy que, en gros, les Guignols vont pas euh, vont pas rester très longtemps euh, s'il prend le contrôle de Canal+. Je, pas, je ferme la parenthèse. Ce que j'ai découvert... Et oui, oui, lui... et, 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 et tu, je, je crois que tu, tu fais dire à, à, à Sarkozy qu'il est très content que euh, la, la, la télé-Bobo disparaisse. Quoi. Oui, tout à fait. Euh, la la, la bah, télé-Bobo par excellence, c'est-à-dire la création d'André Rousselet, ancien directeur de cabinet de François Mitterrand. Enfin, toute cette période-là, toute cette génération, on a regardé Canal ⁇ tous les deux. Et donc, euh, 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 ce que j'ai découvert, c'est la raison... Principale et fondamentale de la brouille euh, et de la guerre importante entre Bolloré et l'Elysée. En fait, la guerre entre Bolloré et l'Elysée, ce n'est pas les médias, ça n'en est qu'une conséquence. La prise de contrôle du groupe Lagardère, ce n'est qu'une conséquence de la brouille, qui est la brouille, en fait, qui est sur le terrain africain et france africain L'enjeu, le, le, c'est les activités logistiques africaines de, du groupe Bolloré c'est la quinzaine de ports que le groupe Bolloré euh, contrôle encore euh, en Afrique. Et en fait, il y a eu un événement notamment en 2019, mais la guerre avait commencé dès, dès l'automne 2017, dès 2018, donc très tôt dans le quinquennat en réalité. Oui, oui, oui. Euh, euh, il y a d'ailleurs des choses assez surprenantes que là, je donne un petit peu en, en pointillé, mais je n'ai pas plus d'éléments euh, sur, euh, euh, sur euh, Benalla qui dit euh, justement à des proches euh, qui m'ont rapporté ces éléments-là qu'il considère qu'il euh, a été la victime d'un complot d'Écorce. On parlait d'Écorce et de Scorsini tout à l'heure, euh, euh, et donc en tout cas, je décris ça sur la fin du livre. Et que, pourquoi D'où voilà, vient donc la ça, guerre Ça, c'est page 508. Hein. Ouais, D'où vient euh, je te euh, laisse... euh, non, 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 mais oui, non, mais comme ça, si, tu, tu peux respirer un petit peu. Euh, ouais. <laughs> donc, à la même époque, cependant, une étrange rumeur se développe au sein de la Macronie. Selon celle-ci, les révélations du Monde. Donc, concernant Alexandre Benalla, euh, et que le monde identifie comme... Enfin euh, voilà, ce, ce policier filmé par Tabouaf, que nous avons reçu lundi. Euh, bonjour Ta, si tu nous regardes. Euh, selon celle-ci, les révélations du monde, qui donc révèlent euh, euh, l'existence, enfin le nom d'Alexandre de, de, Benalla, auraient été suscitées par Bernard Squarsini, donc euh, en gros le, les Corse, patron du contre-espionnage sous Nicolas Sarkozy, devenu patron de la sécurité du groupe LVMH de Bernard Arnault, qui est donc... Le, le concurrent direct de Bolloré. Pour revenir à Bolloré. Oui, et, euh, et donc sur, sur les raisons de la brouille entre l'Elysée et Bolloré, c'est le terrain africain et notamment le contrôle des ports en Afrique et le fait que Bolloré considère qu'il n'est plus soutenu dès 2017 par l'Elysée et par Macron. Et dans la tête de Vincent Bolloré, la principale cause de ce non-soutien, euh, c'est la présence d'Alexis Collère auprès d'Emmanuel Macron et du lien familial que Bolloré connaît dès le début, hein, parce que justement, comme ces boîtes utilisent des boîtes d'intelligence économique ils savent toujours, ou des policiers, ils savent toujours tout avant tout le monde. Et donc, bien évidemment, il sait, Vincent Bolloré, qu'Alexis Colère est de la famille des propriétaires du groupe MSC, qui ne cesse d'annoncer de, de, ses ambitions euh, de contrôle de port en Afrique dans les années euh, qui précèdent et dans les années qui suivent. Et il y a un événement en 2019 qui est important, c'est que le groupe Bolloré perd la concession du port de Douala au Cameroun euh, euh, et au profit de la filiale de gestion de port du groupe MSC qui s'appelle TIL, qui prend la concession du port de Douala. C'est extrêmement important parce que le port de Douala, c'est euh, le Tchad, c'est la Centrafrique au niveau euh, des liens euh, logistiques et, et commerciaux et même militaires. Et donc, c'est un port important. Depuis, il y a eu une grande bataille judiciaire. Donc, finalement, le port a en partie été nationalisé et le dossier est en partie gelé. Mais cette bataille qui a été terrible, où finalement l'État français s'est plutôt rapproché via la Caisse des dépôts. Il y a tout un épisode sur le Gabon. Il se rapproche pas uniquement de MSC, mais d'autres acteurs. En gros, il y a eu toute une guerre africaine de coulisses où le groupe Bolloré a été visé et où l'élysée clairement n'était pas du côté du groupe bolloré ce qui explique ensuite pourquoi euh, bolloré a été aussi offensif voire a même suscité comme on le sait aujourd'hui en partie, la candidature d'Éric Zemmour, euh, et, 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 et voilà. Alors, alors alors précisément, euh, Marc, il y, y a beaucoup, beaucoup de questions. Il y a Blue trois fois, qui te demande, est-ce que c'est -ce est à cause de cette brouille que Bolloré a fait de Zemmour son poulain Il euh, y a beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, je crois que tu en parles, page 500, 530. Euh, bonjour aux pollinos et aux Paulinettes qui nous rejoignent euh, à l'instant euh, sur, le, sur le chat. Euh, alors, tu cites un interlocuteur, Alors, un de ceux euh, anonymes, euh, qui te dit hein, concernant euh, Zemmour Vincent. Alors, déjà, c'est quelqu'un qui appelle Bolloré Vincent. Donc, euh, oui, oui, il, y a, certains, il y a une, une certaine pro proximité. proximité. Voilà. Euh, Vincent c'est ce qu'il fait quand il prend Zemmour, avec qui il a des conversations personnelles très appuyées. Il sait ce qu'il fait quand il prend Pascal Pro sur ses news. Pareil, quand il choisit. Cyril Hanouna. Autant pour le dernier, c'est pour le pognon, parce qu'il fait de l'audience, autant les deux autres, c'est autre chose. Ils sont drivés de façon intentionnelle pour emmerder Macron. Donc, toi, euh, c'est la clé que tu donnes. Bah, la clé que je donne, oui, c'est que. Euh, euh, c'est pour emmerder Macron et non pas pour l'aider euh, par ricochet, c'est-à-dire faire, faire monter Zemmour pour euh, finalement jouer un, un, un jeu euh, de concurrence entre Zemmour et, et Le Pen, de sorte que euh, alors, le second alors, tour attends, soit assuré. attends, attends justement, <laughs> c'est là où. Là, alors, attends, attends, là... attends, parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Nous sommes avec euh, Marc. Attendez, je, je, qu'est-ce que Mais je fais n'importe quoi. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Duo, ça, c'est ça. Voilà, nous sommes avec Marc, qui est l'auteur, Marc Nedvel, qui est l'auteur de L'Emprise, qui est sorti il y a une semaine. Euh, c'est sa première vraie euh, interview, hein, on peut le dire, sur le, sur le, sur le, sur le bookshop ici. Vous êtes, ouais. les, vous, vous êtes les bienvenus. Le livre. Parle de la perte d'influence de la France dans le monde, sujet de droite, traité avec une vision de gauche, hein, si je résume un petit peu ce qui a, ce qui a été dit. Ouais. Euh, et donc, il est question de, de guerre économique, de guerre économique et de guerre, de guerre froide, qui ne dit pas son nom. Et là, on est en train de parler du rôle et de la place de Bolloré dans l'Empire. Tout à fait. Et alors sur, euh, sur ce que, alors, sur ta dernière question, qui est enfin une des dernières questions qui est, qui est fondamentale, euh, Là, tu cites un interlocuteur qui est euh, à la fois en proximité et qui a aidé euh, eric Zemmour et qui également connaît Vincent Bolloré. Il est entre les deux hommes, si tu veux. Et euh, effectivement, c'est une citation anonyme, mais il est entre les deux hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'il me dit euh, dans mon souvenir au, au printemps 2021, juin 2021 à peu près. Depuis, donc ça veut dire que la candidature Zemmour était en train de se préparer en réalité. D'accord. Hein. Euh, il s'est déclaré il en, déclaré octobre, en ça. octobre. Il s'est déclaré en octobre. Moi, là, l'interlocuteur qui me parle, il m'en parle en, en, juin, euh, en juin 2021, si tu veux. Mais euh, le bémol que je mets à ça, c'est que, en fait, euh, d'ailleurs, c'est euh, une question que je pose dans une prochaine interview à paraître. Euh, euh, moi, maintenant, ce que. Oh, le euh, mec, comment il place ses produits, la, la question à laquelle que, que je me pose, si tu veux, euh, euh, c'est la suivante c'est Éric euh, est -ce, Zemmour est-il l'idiot utile d'un deal entre Bolloré et Macron et Bolloré et l'Élysée Alors pourquoi deal entre Bolloré et l'Élysée bah, Tout simplement parce que l'épilogue de la guerre africaine entre MSC et Bolloré, l'épilogue euh, inattendu pour beaucoup d'acteurs, mais époustouflant pour beaucoup d'acteurs qui connaissent les, les, le, le portuaire et l'Afrique c'est que finalement, qui a racheté les activités logistiques, enfin qui est en train, parce qu'ils sont en négociation exclusive, donc ce pas encore totalement fait, mais qui est entré en négociation exclusive pour acheter les activités logistiques africaines de Bolloré, c'est le groupe MSC. Ça a été annoncé juste avant Noël, euh, plutôt, plutôt dans la totale indifférence. Euh, le groupe MSC met 5,7 milliards d'euros sur la table pour acheter les activités africaines de, de, de Bolloré en Afrique. Ce qui est une grosse somme par rapport à ce que coûtent, me dit-on, le, 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 ces activités-là, en tout cas l'estimation. Ah ben bah, ah bah non, euh, Gitad nous dit, euh, déjà il y a longtemps, hein, euh, euh, 5,7 milliards pour le rachat par MSC des actifs logistiques de Bolloré. On n'est pas chez les cons ici. Hein. Euh, des actifs logistiques de Bolloré en Afrique, alors qu'il y a des concessions ferroviaires exclusives, 16 concessions portuaires, etc. C'est etc. vraiment pas cher, non moi, ce n'est pas ce qu'on me dit. Moi, on me dit que c'est relativement euh, valorisé sur une échelle haute. Et d'ailleurs, euh, euh, par rapport à ça, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Par rapport à ça, par ailleurs, moi, dans le livre, je mettais que ça coûtait entre 4 et 6 milliards euh, d'euros, les activités euh, générales. Par ailleurs, on ne connaît pas encore, et ça, ça fait l'objet des négociations exclusives, on ne connaît pas encore entièrement le périmètre de ce qui va être racheté par le groupe MSC. C'est donc justement la question des, 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 des corridors, comme on dit, la question du ferroviaire en Afrique ou des transports par, par camion peut se poser dans, dans, le, dans le deal. Et reste que là, on est quand même dans un entre-soi industriel euh, et géopolitique considérable, parce que euh, MSC, qui était en conflit euh, direct euh, avec euh, Bolloré, et qui, de mon point de vue, tel que me l'a présenté un, un, tas, un certain nombre d'acteurs, comme la principale raison de la guerre entre Bolloré et l'Élysée, tout d'un coup, euh, en, à quelques mois de la présidentielle, euh, le deal est en train de se faire. Il y a d'ailleurs un concurrent à MSC qui n'est pas n'importe lequel, qui est un concurrent, pour le coup, français. Euh, Franco-libanais, le groupe CMA CGM était sur les rangs euh, de rachat et le groupe CMA CGM, ça je le dis pas dans le livre parce que c'est des informations euh, que j'ai apprises. Euh, à la suite du bouclage du livre. Et, et pourtant, euh, et pourtant le, 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 le dernier chapitre, tu, tu l'as rédigé euh, ouais. à, à, à l'imprimerie. Enfin, je veux ah dire, bah, à cauchemar, oui, alors, un cauchemar ouais. d'éditeur, ce Marc. Ouais, ouais, <laughs> oui, oui, oui. d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une, une ou deux coquilles. Mais effectivement, j'apprends le rachat, euh, pour te dire juste pour la petite histoire, j'apprends le rachat des activités logistiques africaines de Bolloré par MSC en fait, une semaine avant le, le communiqué officiel, ce qui m'a permis d'intégrer l'épilogue euh, dans, euh, dans le livre et dans, le, dans la ça. conclusion de mon chapitre. Ça. Et effectivement, aujourd'hui, on peut se demander si Eric Zemmour, et ça je crois que j'ai déjà posé la question, si Eric Zemmour est l'idiot utile oui, donc d'un deal entre, entre Bolloré et, et l'Élysée. Euh, voilà, et ce qui montre d'ailleurs... Mais alors, que, tu, 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 tu ne réponds pas à la question oui, Est-ce est que c'est -ce est un idiot utile ou pas Alors rappelons, euh, à la, 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 en plus d'entre nous, que idiot utile, ce n'est pas une insulte. Donc euh, ça, ça peut être dit dans le chat, hein, bon, parce bon, que dans ouais. le chat, on enlève les insultes, on enlève les injures. Idiot utile, c'est une, c'est Lénine hein, qui, qui bon, disait ça bon, les gauchistes. Bon, ouais mais pour parler euh, ou pour pas pour parler plus vulgairement euh, c'est comme si Éric Zemmour avait été invité à un dîner de con euh, entre Bolloré et et l'Élysée et, et MSC d'une certaine manière c'est-à-dire qu'il y a des enjeux euh, qui le dépassent vraisemblablement euh, je suis même pas sûr que lui lui-même en est en est en est conscient je, je suis quand même prudent dans le livre sur un point c'est-à-dire que euh, la 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 guerre a été tellement intense entre l'Élysée et Bolloré que les traces ne sont pas' euh, comme dire, ont pas disparu. Hein. Ont pas disparu ouais. euh, mais ce que, je, ce que je veux démontrer euh, à travers l'enquête, c'est que euh, la, 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 le mobile, euh, le mobile de Bolloré euh, et la colère de Bolloré à l'égard de l'Élysée, elle est principalement économique et stratégique. Elle n'est pas euh, Bolloré, c'est un cynique, c'est un pragmatique. certes, c'est un homme de droite, c'est un homme droitier. Euh, et encore, euh, il a eu un parcours très compliqué. Euh, il, a, il, a, il a développé des amitiés euh, au Parti Socialiste ou, euh, 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 par exemple, Jean Glavani, euh, par exemple, euh, mais euh, il, a, il a développé des, des relations à droite. Euh, et aujourd'hui, euh, faire de Bolloré uniquement euh, un homme qui serait euh, emprunt d'extrême de, 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 droite et, et il voudrait absolument, pour cette raison-là, Mettre Zemmour à l'Élysée, c'est un peu simplifié de mon point de vue, là, pour le coup, euh, la partie qui est en cours. Et euh, en réalité, par rapport à la question que tu te posais sur est-ce que Zemmour, finalement, politiquement, fait pas non plus le jeu de Macron patati patata, bah ça, c'est aux commentateurs politiques de, de, de se déterminer euh, là-dessus. La question, qui est une question rhétorique quand, euh, aussi, je, 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 je réponds aussi par cette question rhétorique, par prudence. Mais, mais effectivement, la question se pose aujourd'hui du véritable mobile de Bolloré euh, par euh, rapport à l'aide qu'il a pu apporter ou qu'il peut apporter à Éric Zemmour. Et euh, on voit bien que, en tout cas, la, la, la conclusion d'un deal, ou en tout cas, euh, ce qui est en train de se passer en termes de négociations exclusives entre MSC et Bolloré, peut changer, euh, et peut changer la donne. Quoi. Voilà, donc, euh, Bloody, trois fois, te dit donc Zemmour et Pignon, François Pignon Hein euh, et qu pense, euh, qui est donc le, 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 le nom de, 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 du rôle euh, que tient Jacques Villeray dans, dans « Le dîner de cons ». Donc, Zemmour, euh, c'est ça, hein, je crois. Hein. Donc, Zemmour est pignon et pense qu'il peut être élu, pour l'interrogation. Euh, euh, en tout cas, tu parlais, de la, tu parlais des acteurs euh, engagés dans tous ces univers de pouvoir. Euh, euh, c'est la question que tout le monde se pose dans ces univers de pouvoir. Euh, et, et par ailleurs il euh, y, y, y a des gens qui pointent l'élément suivant, c'est que il euh, y, y a des gens qui me disent Bolloré a été, alors c'est intéressant par rapport à l'estimation il y, 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 y a des gens qui m'ont dit Bolloré a fait une très bonne opération et a maximisé son profit et il y a des gens au contraire qui me disent il a été contraint par l'Elysée de mettre le pied à terre et de vendre les activités à son principal ennemi de ces dernières années, à MSC et donc, en réalité, il y a, il y a, un, il y a un jeu de dupes là-dedans, incroyable. C'est très difficile de savoir tous les éléments qui, qui sont entrés en ligne de compte. Mais par exemple, dans la tribune, le journal économique pour lequel je collabore, j'ai fait une chronique un peu provoque au mois d'octobre, parce que j'avais déjà des informations. Alors, je n'avais pas la... Pas le groupe n'avais pas le groupe MSC, mais on m'avait déjà dit que ça venait de l'Italie, peut-être. Donc, il euh, n'y avait pas n'importe quel groupe qui pouvait mmh. racheter. Et donc, j'ai fait une chronique un peu provoque en octobre dans la, dans la tribune, parce que j'ai dit, en gros, est-ce que la guerre Bolloré-Macron, c'était pas du flan Et dans la chronique, par ailleurs, ai, je reprenais un truc qui est par ailleurs vrai aussi c'est que l'Élysée et les spin doctors, les communicants de l'Élysée, ont joué depuis le début du quinquennat et Macron ici, ce qui, eux ils appellent une triangulation avec l'extrême droite. Moi, je pense qu'ils ont été euh, très tellement droitiers que c'était même plus la triangulation. Ils font plus ouais. de la triangulation sur, la, la, sur, en, 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 sur certains vecteurs de gauche que sur vecteurs de droite, mais passons. Et à, à l'époque, euh, dans cette chronique-là, je disais justement, euh, finalement, Zemmour, euh, sur le papier, en tout cas à l'instant T, pouvait servir, par sa candidature, à servir les intérêts également euh, d'une candidature en Macron. Mais voilà, mais après, là, vu l'incertitude de l'élection, même si euh, du côté de la Macronie, il euh, y a beaucoup de gens qui sont, qui sont très arrogants et compagnie, aujourd'hui, si là je fais de la pure euh, analyse politique, euh, des sondages de Macron à, à, à peine euh, entre 20 et 22-23%, c'est... C'est pas beaucoup en réalité hein, non, en termes d'intention de vote. C'est mmh. pas beaucoup, mmh. euh, notamment quand on sait qu'il y a tous les abstentionnistes euh, qui ne sont pas pris en compte dans les sondages. Et donc en fait, euh, aujourd'hui, euh, on a l'impression que tout est figé, que tous les, tous les, tous les jeux sont faits euh, à l'élection présidentielle. Euh, il y a beaucoup de gens dans les commentateurs politiques, notamment en privé, qui disent euh, ⁇ euh, "Bah non, bah, de toute façon c'est Macron qui a gagné ⁇ Là, pour le coup, je, je, je ne sais pas, je ne je, je sais pas du tout. Marc, je, je sens, là, tu, 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 tu mets la main sur le, sur le visage, je, je sens un petit peu de fatigue, mais est-ce que je peux te garder encore, allez, on va dire 10 minutes, le temps de te répercuter quelques questions, oui, il y en a sûr, plein. Ouais. Alors, il y a, a Griffiths, alors c est, c est, ça, ça va être un peu du, du, du coq à l'âne, je te préviens. Euh, réponse courte, quoi, tu vois, rapidos, ah, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que là, donc c'est Griffiths, Griffith. Qui, qui trouve la, la, la couverture très jolie. Est-ce que la relation incestueuse entre la police d'État au service d'une grande entreprise n'est pas une extension du néolibéralisme qui met l'État au service des marchés financiers et des grandes entreprises Je suis d'accord avec cette analyse. C'est. Euh, c'est une, j'allais presque dire une militarisation de la vie économique, et donc c'est des ça peut être des moyens régaliens mis à la, à la disposition de, de moyens privés, et on est tout à fait dans le cadre de, de ce qu'on appelle réellement le néolibéralisme, c'est-à-dire euh, l'aide de l'État euh, à des à des intérêts privés, et des grandes entreprises. Renette te demande, est-ce qu'il y a une arborescence dans le livre, histoire de bien visualiser les liens entre les différents protagonistes Moi, réponse, euh, mais... Non, il n'y a pas d'arborescence, d'autant plus que, euh, bah, comme tu le disais toi-même tout à l'heure, euh, les uns peuvent être amis un jour et ennemis l'autre jour. Et d'ailleurs, euh, dans, euh, dans, 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 dans le dernier livre, là, euh, je remets en cause, c'est pas que je remets en cause certains liens que j'avais faits dans le précédent dans le bouquin, c'est que j'ai simplement. Euh, continuer d'enquêter et, et, et je me suis aperçu entre le précédent bouquin et le nouveau bouquin, notamment sur ce laps de temps-là, c'était une des nouvelles choses qui s'étaient déroulées au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron, que les ennemis d'hier étaient devenus de, bon, de bons amis et que les bons amis d'hier étaient devenus des ennemis. Donc euh, voilà, euh, tout ça, et c'est un peu la cour de récréation de ce pouvoir-là, mais c'est assez compliqué. Ah, euh, euh, hola, Olivier Azam. Euh, même euh, Marc, même si ça fait de la peine à, de à Dave Duf, est-ce que Chirac c'était quand même pas mieux <laughs> oh, ils, euh... ils, sont, ils sont durs les copains, ils sont. Ils sont ah ouais, putain. Euh... Pff, question. tu' euh... bah... t'es pas obligé de répondre. Hein, si si, si ça, tu, ton rire peut être une réponse. Euh, oui, Morgan bah... te pose. Est-ce que vous êtes souverainiste, Marc euh... Non, pas spécialement. Enfin, ce qu'on appelle souverainiste. Non, je suis pas spécialement souverainiste, mais euh, mais, mais je suis pas. Euh, mais je suis pas euh, euro Je suis pas. Enfin euh, voilà. Enfin, je suis réaliste quoi, point barre. Meuve Chico, est-ce qu'on se retrouve sur écoute suivi quand on bosse sur l'entourage et ou sur les intérêts du président euh, Comment va la sécurité de votre invité euh... <laughs> euh, euh, compliqué euh, Voilà. Euh, compliqué et, et ça passe au-delà même de la question de euh, moi j'ai pas eu de d'éléments de, de, de j'ai pas eu de sur cette enquête là j'ai pas eu d'intimidation enfin euh, j'ai eu des intimidations indirectes euh, mais mais c'est plus de l'ordre de euh, du on sur la place de Paris c'est-à-dire qu'on euh, euh, va dire, ah ben Marc, il est un peu foufou quand même, ou euh, il, il, euh, il, comment dire, euh, il, il fait ça parce que il est en vengeance à l'égard d'Emmanuel Macron. voilà Il y a tout un tas d'éléments de langage qui sont diffusés sur la place de Paris, euh, dans les dîners en ville, euh, et ça, c'est fait pour décrédibiliser euh, mon travail. Après sur la question de la sécurité et de l'espionnage pur, bien évidemment que euh, oui, bah, j'essaie d'en m'en inquiéter, mais j'ai... Ils sont trop puissants. Les gens qui sont en face de moi sont, sont, sont trop puissants. Donc j'essaye de protéger mes sources. C'est aussi de la responsabilité des sources de se protéger elles-mêmes. C'est très très compliqué ce jeu-là. Parce que euh, quand, quand, on met trop, quand on met trop de sécurité, bah, les gens, ils ont peur et ils ne parlent plus. Donc c'est très 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 compliqué de, de, de jauger, le, euh, quand, en tant que journaliste en tout cas, de jauger la, la, où on met le, 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 curseur, euh, le curseur de sécurité. Euh, combien d'allers-retours combien entre toi, euh, ton éditrice et le, le service juridique euh, du seuil euh, petit, 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 euh, Pour compléter la question précédente, ouais, euh, mais, mais sur le travail de l'éditeur, euh, ça je l'avais déjà dit d'ailleurs par le passé, je ne devrais pas le dire, mais enfin euh, j'ai travaillé hors connecté euh, d'Internet sur un, un, un portable, un ordinateur portable déconnecté. Euh, D'ailleurs, euh, tu m'as pas l'air d'être très... Euh... Euh, très très connecté comme garçon. Hein, parce que, alors, toi, il a fallu tout expliquer, comment ça marche, euh, au poste. Euh, alors, il faut une caméra, il faut une connexion Internet. Tu vois ce que c'est L'électricité, euh, un ordinateur, clac-clac. Claque, claque. Ah oui, mais, mais je ne sais pas C'est pas, pas, pas que je suis timide, je suis anxieux comme vous, garçon. Il y, a, y, a, y, a, y a en a deux comme ça. Il y, y a un autre invité plus tard qui me dit bah, Où, où est-ce que je vais bah, Tu restes chez toi, mon gars. <laughs> tu fais ça où tu peux. Bon. Ben oui, mais moi, je ne pouvais pas faire ça chez moi. Il y a un je, plus je blague. Mon chat qui miaule. Donc, je, 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 je blague, euh, je, je blague. Tu, blague. tu, tu connais pas mon chat, mais bref. Le micro dans le chat, les donc, donc, en tout cas, euh, logistiquement, c'était compliqué parce qu'il fallait se déplacer à chaque fois avec, avec la clé USB. Euh, ils ont travaillé hors connexion du côté de l'éditeur aussi pendant un certain temps. Euh, donc, ils ont travaillé sérieusement. Et après, le service juridique, il euh, bah, y, 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 y a un conseil, un, un avocat qui a, qui a travaillé sur le livre que Par ailleurs, je connaissais et donc on a pu travailler avec en bonne intelligence. C'est pas la partie, c'est pas la partie la plus compliquée. Euh, ça n'a pas été la partie la plus compliquée. Euh, voilà, euh, Red Jazz. Euh, question pour Marc est-ce que la presse internationale s'est intéressée à ses travaux Est-ce qu'il serait prêt à donner des interviews en anglais dans des médias étrangers ben Pour l'instant, euh, la, la presse internationale s'est pas intéressée. On a envoyé le livre euh envoyer le livre à des à, à des, à des médias enfin notamment aux correspondants, euh, aux correspondants des des grands des grands journaux internationaux à Paris alors mais voilà par exemple j'ai donné le bouquin euh, à un journaliste du New York Times que j'ai croisé il y, a, il, y a, il y a quelques jours euh, euh, voilà après après le livre parle parle pas mal de la France quand même euh, oui. euh, donc euh, donc voilà et par ailleurs il est euh, il est par ailleurs sans concession entre guillemets sur les intérêts des grandes puissances donc, euh, il faut aussi que ces pays-là euh, soient, soient lucides sur, euh, sur, on va dire, leurs propres euh, leur propre mécanismes, notamment dans la guerre économique. Donc, euh, bon, on, 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 on va voir. Mais par exemple, il euh, y, y a toute une partie sur l'Italie ou l'Allemagne dans le livre. Euh, ça va être intéressant de voir si euh, les, les, les correspondants de, de la presse italienne ou allemande euh, s'intéressent euh, à l'ouvrage. Démocratie ou plutocratie dans quel monde on vit Alors malheureusement, j'ai viré la question. Et je n'ai plus la personne qui l'a émise. Je suis désolé, mais je la remercie. Démocratie. Euh, plutôt, euh, euh, au sortir de ton enquête, qui est donc une enquête de, si j'ai bien compris, c'est deux ans en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Deux ans d'enquête. Euh, ce sera la dernière question. Donc fais gaffe parce qu'il y a des gens qui ont l'air de décider acheter ton livre. Donc évidemment, si tu dis des vérités, c'est-à-dire un truc très démoralisant, plus personne va acheter le bouquin. <laughs> mais, 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 mais bon. Comme disait le camarade Lénine que tu cites dans ton livre, seule la vérité révolutionnaire. Non, je camarade, je, je déconne. Non, mais euh, ben... sérieusement, je veux dire, on, on sort de là, c'est le problème de tous mes invités. Hein, on sort de leur travail et à chaque fois, on se dit bon, c'est la merde. <laughs> euh, je suis très inquiet euh, sur le plan euh, personnel et citoyen. Je je suis très 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 inquiet parce que euh, on en a. Finalement, on n'en a pas, pas beaucoup parlé, mais, mais il y a tellement de sujets que dans le livre, mais euh, sur, sur tout ce qu'on disait sur euh, les services de renseignement, la sécurité privée, les, les boîtes du CAC 40, euh, il, y a, il y a aussi beaucoup de liens euh, que je tire parfois dans le livre euh, « Partie de touche », beaucoup de liens avec l'extrême droite. Hein, il faut ne euh, faut, faut pas sous-estimer, l'extrême droite est beaucoup plus euh, puissante dans l'appareil d'État et, euh, et dans euh, le capitalisme français, que même la gauche, euh, euh, y compris la, la, la gauche sociale-démocrate, si tant est que ça, ça existe encore aujourd'hui, euh, c'est ça moi qui m'a le plus frappé, c'est-à-dire ouais. euh, cette imbrication-là d'intérêts. Euh, qui, 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 qui m'inquiète au plus haut point parce que, de mon point de vue, euh, on est à deux doigts de basculer, voire euh, on, est, on a déjà basculé. Voilà. Euh, et et, et d'ailleurs, sur la démocratie, au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, même si euh, c'était mon sujet, en tout cas, parce que là, le livre est beaucoup plus large qu'Emmanuel Macron. Oui, mais, beaucoup plus. Ouais, ouais. Mais, mais ces dernières années, en tout cas, je me souviens, euh, entre les deux tours de la présidentielle, euh, être interrogé par Bourdin, super, sur RMC Info, et Bourdin euh, me demande euh, en quoi euh, Emmanuel Macron est ambigu. Euh, oui, il est ambigu, monsieur Macron, alors en quoi il est ambigu En quoi il est ambigu et, 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 et Oui, ouais, des... j'ai juste le titre de votre livre, il y a écrit euh, ambigu, voilà. c'est ambigu quand même. Voilà, ouais, j'ai deux voilà. questions là, j'ai deux questions. Et, et donc, <laughs> il m'a posé cette question là, et une de, une de mes principales réponses à, à l'époque, parce que c'était une de mes. Conclusion de, de mon premier ouvrage sur, euh, sur Emmanuel Macron, je disais Emmanuel Macron est ambigu dans son rapport à l'État, dans son rapport à la démocratie, et, et, et parce que dès l'ambigu Monsieur Macron, j'avais compris qu'Emmanuel Macron finalement était complètement euh, dans le costume du dirigeant néolibéral et le néolibéralisme est en réalité une menace contre la démocratie. Euh, à néolibéralisme, à ne pas confondre même avec le libéralisme euh, politique ou même économique euh, des mmh. origines. Euh, je tiens à préciser les choses, parce que dans le débat politico-médiatique français, c'est généralement radé palcrète, mais ce qu'on appelle néolibéralisme... Euh, ce qui peut s'apparenter d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, à, à des liens avec ce qui se passe en Chine ou euh, dans l'hypercapitalisme international. Euh, la Chine qui est aujourd'hui capitaliste, hein, il faut quand même le rappeler. Euh, eh bien, euh, voilà, c'est une attaque en règle à l'encontre de la démocratie. Et les leaders, euh, y compris euh, dans le monde démocratique, peuvent être dans une posture de plus en plus autoritaire. Ça se renforce en plus en France. Dans le sens où le système institutionnel de la Ve République est totalement à bout de souffle. Et ça, tous les acteurs politiques le reconnaissent. Euh, on est en fait en pleine crise de régime. Et ça, ils le disent en privé euh, qu'en réalité, on ne peut plus continuer avec le régime de la Ve République parce qu'en réalité, il ne permet pas une base de légitimité politique suffisante, même y compris lors de l'élection présidentielle. On, on, voilà, on ne veut pas avoir une légitimité euh, importante et, et justifiée démocratique quand finalement, c'est une élection qui ne fait que euh, qu on dit, annuler les, les candidats et, pas, euh, et qui ne permet pas un vote, euh, vote d'adhésion et euh, le respect du pluralisme d'opinion dans, dans, dans le pays. À un moment donné, ça, ça pose une question et un problème. Mon cher Marc, merci infiniment. Euh, tu es resté deux heures. Oui. Euh, bah, tu avec as, plaisir, c'était tu, sympa. Tu, euh, tu, as été, tu as été au top. Euh, on va voir ce que, ce que les. Parce qu'ici, si, c'est horrible. C'est le monde. Euh, euh, c'est le monde d'aujourd'hui c'est-à-dire que les gens vont nous dire ce qu'ils pensent tout de suite hein. euh, merci pour cet échange on en veut plus mais vous êtes dingue euh, merci infiniment euh, Yanino merci Marc pour votre travail d'utilité publique et votre intégrité à toute épreuve hâte de vous lire le petit dernier avec des petits rembos dans tous les sens euh, merci mmh. Vovchiko bravo pour le taf abattu d'y accomplir il euh, y en a trop il y en a trop euh, merci très intéressant bravo merci Marc il n'y en a pas un qui voudrait le critiquer là merci, merci oh, vous m'emmerdez qu'est-ce qu'il a ah super, merci Marc. <laughs> merci beaucoup pour cela et Merci beaucoup. Voilà, ça n'arrête pas. Euh, si, euh, si tu veux te, te revoir pour, pour voir euh, comment tu, tu peux être demain à BFM, tu vois, quelles sont les, les meilleures phrases, etc. Et si tu veux voir comment le, le public a réagi, bah tu, peux, tu pourras revoir dans, le, dans la rediffusion juste après. Tu auras tout le chat. Tu verras, il y a plein, plein, ah, de, y a plein okay. de super questions. Non, mais sé sérieusement, je pense que tu n'es pas obligé de te regarder, mais tu peux lire le chat. Ça peut être. Euh, ça peut être super. Euh, bonne chance pour la, la sortie. Bonne chance pour la tournée. Bonne chance ouais. pour les cafés avec ton éditrice. Que je salue, que j'embrasse, Mireille Paolini. <laughs> euh, et puis, bah, écoute, nous, on va continuer. Merci beaucoup, euh, Marc. Et, euh, et c'était super. Merci à toi, David. Super. Et si un autre jour, tu veux reparler de Pegasus, la NSA. Eh et et, oui, c'est, eh oui, j'avais, j'avais. l'espionnage électronique, mais, euh, J'avais plein de questions. Euh, et, ouais, parce ouais, que a... On aurait, on aurait pu parler du Maroc, d'Israël. D'Israël, voilà, De, de ouais, Pegasus, ouais. Euh, de, des tensions euh, de renseignement entre Israël et les états unis que j'évoque dans le livre. Absolument. Est, absolu absolument. Ce, sont, ce sont les pages 460, 461, 463, 464 et la page 741 parce qu'à un moment donné, tu fais un... Il y, y a un saut mais tu, tu reviens... Tu, euh, 540 euh, Qu'est-ce que je raconte 541. Euh, ou, non, donc Oh 441. Mais t'es mauvais, mon petit bonhomme. Euh, voilà, il y a effectivement tout un, tout un chapitre et ce que j'ai appris, c'est l'imbrication... Euh, d'Israël et de la Chine. Et je ne savais pas que notamment oui. a... ah non mais je, je remets pas une pièce de la Chine. <rire> <rire> Alors quand, quand sur BFM te demande Zut et Zut, à quelle heure c'est demain, c'est ça Ouais, c'est demain, ouais, c'est demain. Alors, on va être bien. là, on va être là. Mais à quelle heure À quelle heure on va C'est ouais. à 20h, mais euh, ça va parler de questions d'actualité, je pense. Mais Enfin, ils vont montrer le bouquin à l'écran, donc. Euh... Tu sais quoi, tu te fais un petit best-of de notre émission, puis tu, tu, tu sors ton iPhone. Et on m'a on déjà <laughs> concocté des punchlines, parce que c'est vrai que ce c'est pas, pas, pas mon fort, mais bon, donc j'ai quelques punchlines euh, dans la tête, mais il faut que je les utilise. Donc, mais euh, pourquoi ça... tu les as pas testés ce matin <laughs> eh, Oublie les punchlines, ça c'est ouais. le truc d'éditeur, oublie ça. <laughs> non mais, euh, ouais, mais raconte-nous ton travail comme tu l'as fait là pendant ouais. deux heures avec, euh, avec passion avec euh, voilà après c'est vrai que enfin bon voilà je recommence pas l'interview c'est vrai que c est, c est, c est, euh, le, le sujet peut sembler un peu aride alors qu'en fait tu en fais un bah, tu, tu tu remets les choses à leur place c'est à dire que la politique c'est ça quoi <laughs> on va configurer comme ça. Ça, c'est la punchline. Ça, la politique, <laughs> c'est ça. Oh, allez, tout à fait. À très bientôt. Euh, bah, Passe si une bonne cas, journée. Merci beaucoup, David. Et euh, bah, on se refait une crêperie euh, la prochaine fois. Absolument. Soir. Ah, il balance. <laughs> ah, allez. Et, je, croyais, je croyais que tu protégeais tes sources. Allez. <laughs> ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Voilà chers amis, bah, j'espère que bah, j'ai l'impression que, que, que ça vous a plu cet entretien avec Marc. Je vous conseille, donc je vous redonne les références, l'emprise au seuil, euh, 22, 22 au 50. Il bon, euh, faut dire que, attends, il y a deux ans de boulot, hein 550 pages. Il y a deux ans de boulot. Et vraiment, euh, voilà, je vous ai lu plusieurs fois la, la quatrième de couverture avant que Marc vienne les, les jours précédents. Euh, voilà, si vous intéressez... Euh, à la vraie politique, euh, enfin pas à la politique politicienne, pas à la conquête du pouvoir, mais ce que. Il est super sympa, c'est vrai, c'est vrai, Marcel a raison. Euh, Marcel, tu travailles C'est. Où... Ah ben non, attends, il est quelle heure là au Canada euh, C'était génial, ça donne vraiment envie de lire. Euh, toujours plus qualitatif qu'un bouquin de BHL, oui, ça c'est sûr ben, c'est le top, Mark Nedveld nous dit Alexandrie super. Alors euh, chers amis, donc il est il est 10h52. On va rester encore euh, un petit peu ensemble, mais on va faire une petite coupure. Pourquoi euh, Bougez pas, parce que on va euh, ça va être l'enfer, mais il faut le faire. On va être euh, dans quelques instants, on va se téléporter euh, chez Alliance. 4h53, oh la vache. On va se téléporter chez Alliance, Alliance, le syndicat Alliance, qui reçoit euh, Valérie Pécresse, Éric Le Pen, Marine Zemmour et euh, Gérald Darmanin. Donc, euh, 4, Alors, il y a trois candidats. Et euh, le, un représentant du candidat putatif Emmanuel Macron. Euh, donc, euh, si, si, ah, si, si, moi j'y vais, j'ai Alliance, bien sûr. Euh, donc, euh, vous n'êtes pas obligé de venir. Mais moi j'ai déjà annoncé. Donc, donc, ils ont tweeté Alliance. Alors, venez sur notre page Facebook, etc. Moi j'ai dit, non, venez au poste. <laughs> voilà. Euh, donc, euh, le, je, vais vous donner le, je vais vous donner le programme, ne bougez pas. Mais euh, moi, j'ai besoin d'un petit peu de, de café. Hein, je vais.. Allez, bougez pas. Alors, c'est ici, c'est là. OK. Firefox. Table cam. je l'enlève. Voilà, 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 voilà. Euh, donc, euh, présidentiel, le syndicat Alliance auditionne droite et extrême droite. Routine dite, des candidats passent à la question, on écoute, on décrypte, on surveille. Euh, ça démarre à 11h20, donc on va, euh, moi je vais faire une petite pause, euh, et puis on, on va reprendre vers euh, 11h10, quelque chose comme ça. Euh, le programme, le voici. 11h20, ouverture et présentation de l'événement. 11h30, discours de Fabien Van Emelric. Euh, C'est le secrétaire général d'Alliance. Euh, c'est celui-là même qui avait dit au pied de l'Assemblée nationale, le problème de la police, c'est la justice. Hein, c'est très, très, très important. Euh, 11h40, intervention de Valérie Pécresse. 12h30, Allez, je ne savais même pas que le slogan c'était ça, pour la fierté française retrouvée. Mec, mais, mais c'est quand même dingue. Euh, intervention de Gérald Darmanin, La République en marche, majorité présidentielle. Éric Zemmour. Alors, euh, Darmanin, 12h30, 13h20, Zemmour, 14h10, Le Pen, 14h55, clôture de l'événement. Alors, euh, on, va, on, on, va, on, va, on va se faire ça. Ce qui va se passer, c'est que. Euh, ah, Régie, Régie, Régie. On me dit, j'ai un petit message en Régie. Euh, exactement, Uriel, nous, 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 tu, tu lis dans mes pensées. Euh, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la scène devant vous. Et en fait, on va, euh, on va couper la retransmission, le temps euh, de, de la relancer. Pourquoi Parce que comme ça, ça va nous, nous permettre pour les rediffusions d'avoir deux euh, diffusions différentes, de changer le titre de, et de rameuter. Euh, voilà, si vous êtes, vous, si vous êtes bien d'accord avec ça. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous restez sur la chaîne, euh, au moment où je vais couper, elle va redémarrer. Et là, ce qui serait bien, c'est de faire la touche F5. Voilà, alors je vais changer. Donc je vais changer devant vous. et devant vous le titre. Alors. Qu'est-ce qu'on va mettre comme titre Ok. Euh, on va mettre présidentiel. Le syndicat. Alliance auditionne. Alors ils m'ont engueulé. Il y, a, il y a un représentant de d'Alliance qui m'a engueulé en disant Mais, il a rien c'est de la désinformation. Euh, euh, c'est pas de notre faute. Euh, S'il si, n'y a que la droite et l'extrême droite euh, qui a, ont accepté euh, de venir. Bah, euh, en effet. Alors il faut savoir aussi. Alors donc en effet, euh, Alliance avait convoqué. Enfin, avait avait oui, convoqué, avait convoqué euh, tous les candidats euh, à plus de 5% euh, de gauche, sauf euh... Ah, tu n'avais pas eu ton son, attendez, je, je vous remets les je vous remets le son Voilà, donc ça c'est le titre. Présidentiel, le syndicat alliance auditionne droite et extrême droite. Okay. Euh... En direct. En direct. Voilà, donc euh, voilà, là j'ai préparé pour vous. Donc en effet, euh, je vais vous mettre... Je vais vous mettre... Attendez, je vais vous mettre la... Euh, je vais vous mettre la la... La petite... Euh... Vous allez voir, c'est mignon comme tout. Et on n'a pas le contexte on n'a pas le contexte? Bah, on n'a pas le contexte? Aïe 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 aïe, 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 aïe. Non, Stormé Mais on n'a pas le contexte. C'est lui, euh, Fabien Secrétaire Général. Ok, donc on va un peu rameuter du monde. Ok, très bien. Donc ça, c'est le, 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 le tweet. Et... Euh, ah, c'est bizarre, ça s'affiche pas toujours. Donc voici le tweet. Ah mais non, ils l'ont... Ah, ils ont supprimé le tweet, les mecs ah là 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 là, là. c'est ça. Tu réponds et puis ils, ils, ils veulent pas qu'on lise la réponse. Oh, c'est pas vrai, c'est pas correct, c'est pas c'est pas sport ça. Alors attendez, on va retrouver le syndicat Alliance, celui-là. Ok, ok. Donc donc. Alors ils ont enlevé le truc. Hein. Ah ouais 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 ouais. Là, ils l'ont enlevé, hein, dis donc. Ils ont enlevé, ils ont enlevé. Ah, c'est drôle, ils ont enlevé. Euh, ah, je ne sais pas si quelqu'un avait fait un, un screenshot. Donc, bref, le syndicat Alliance avait annoncé qu'ils avaient contacté tout le monde sauf euh, Mélenchon. Mais je vous parlerai de ça tout à l'heure. On fera le, on fera le, 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 la, la petite introduction. Et de toute façon, ils vont, ils vont parler, considérant qu'ils n'avaient pas invité un anti-flic. Euh, puisque c'est comme ça qu'il qu désigne Mélenchon. Et les autres candidats de, de, de gauche, 11h. Comment ça c'est à 11h C'est à 11h, c'est maintenant On arrive bientôt. Ça recommence. On arrive bientôt. OK. Bon, alors les amis, euh, je je je... je... Je parlerai de je, je bavarderai tout à l'heure là il faut absolument que j'aille me chercher un café je vais arrêter euh, le stream et on le reprend si vous voulez bien euh, dans quelques instants comme ça ça va nous permettre d'avoir euh, deux deux émissions pour les rediff. c'est beaucoup plus pratique euh, que je me gourre pas information sur la diffusion voilà Présidentiel syndicat auditionne. Allez, vous avez pu me dire qu'il y avait une faute. Auditionne. Ok. Alors. Hop. Hop. Ok. Ok. Alors, je prépare le truc. Alors, vous risquez, évidemment, de... Euh, de recevoir une notification en décrypte live. Voilà. Ok. Je vais le mettre en politique. La catégorie politique. C'est bien d'aller dans les catégories où personne ne va. Ok, tac. Voilà, présidentielle, alliance auditionne droite et extrême droite. On va mettre, on écoute, on décrypte, on surveille. Donc ce qui est très très important, euh, c'est que vous euh, rechargez euh, la page. Si vous voulez euh, faire partie de, de la comptabilité, euh, de la comptabilisation, pardon. Euh, du comptage, tout simplement, je suis con. Du comptage euh, du nombre de... De tweet chose qui regarde. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a besoin, les amis. On a besoin de. On a besoin de. On a besoin de carburant. Je vous expliquerai que euh, Jiménez n'est pas content. Jiménez, c'est le réalisateur de BacNor. BacNor qui est présenté dans cette journée euh, aux, euh, aux syndicalistes qui sont venus à Paris. Euh, voilà. Alors, euh, Urial, Tax, c'est bon. Merci beaucoup pour euh, ton abonnement. Merci à tous ceux qui se sont abonnés euh, aujourd'hui. Je ne vais pas mettre la page crédit, donc je vais donner leur nom. Veuve Chico. Oh là là, Chico qui est là depuis le tout début, qui était, là, je crois, la toute première abonnée. Euh, euh, Solis Almed, Valeur Anarchiste, Martoni, Yoriculaire, Semkadeb et euh, Frodu à l'instant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, merci beaucoup. Antide, euh, ça pouvait être extrême droite Extra... Oui, oui, oui. Bien, oui. Alors, ok, euh, les amis, je, je coupe, je coupe et on revient. Là, j'ai besoin d'un petit café. parce que... eh, eh. C'est quelque chose quand même. Hein. quelque chose. Alors, hop, 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 hop. hop. Ah, ben, ça a oui. commencé. Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Et non, ça fait 2h22. Oh là 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 là, toujours à se planter celui-là. Allez, un petit message à caractère promotionnel. Euh, cher François, il faut que tu écoutes l'émission d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. On a écouté en avant-première ton super morceau. Euh, merci beaucoup. Euh, les amis, on se retrouve dans une minute.